Comment ça se tourne? Rayo? Ah non, il a sa poubelle là. Ah, il est en plein poubelle. Ah, j'allais dire Evanescence, tu vois, et c'est exactement ça. Ah bon, vous direz, j'ai cru qu'il chantait face à la mer de Calogero et Passy. Je voulais pas vous interrompre, j'étais en... Calo Passy de 0-4 action. J'étais en train de me concentrer avec moi-même et je voulais pas interrompre votre positivité avec ma négativité habituelle. Donc au lieu d'être négatif, j'ai médité pendant 5 minutes et là c'est bon, je suis de retour en full plaisir. Super. T'as bien fait de juste fermer ta gueule, Rayo. Juste après avoir écouté I'm going under. J'ai bien fait de fermer ma gueule et je vais rabattre ton kaki Rimendi, je vais mettre mon genou dans ta bouche. T'as bien fermé ta gueule. J'aimerais pas ton genou en vrai, mec, dans ma bouche. En vrai, si... La queue, ouais. Ah, je l'avoue, mec. Waouh. La okay. queue de Rayo dans ma bouche, putain. Quel taf de ouf. Bon, allez, vie de fou quand même qu'on vivrait. Hein. Allez, je suis reparti là. Allez, let's go. On passe à autre chose. On se retrouve dans 10 minutes. On se retrouve au prochain virage. Je sais pas si ça marche la méditation. Reste à l'écoute. Ah, c'est si vieux que ça. On me dit la chanson Face à la mer à l'âge de jouer à GTA 5. C'est grave. 2004 action, donc c'est 2004. Ouais, littéralement. Donc vraiment, j'avais pas envie d'avoir ce parcours, vraiment. Ouais, vraiment c'est... Bah non, Calopassy 2004 action. Ah là là. Ouais. T'es avec nous, Rayou. Aïe aïe aïe. Rayou ? Qu'est-ce qu'il y a, bro ? Ah, je crois que tu nous avais encore quitté pour écouter du Evanescence. Ah non, mais là je suis en rail là. Ok. Oui, bien sûr. On est cool forever, bro. Tu écoutes quoi comme musique ? Abdelkader. Abdelkader. Abdelkader, Abdel Fahliya. Écoute un petit Sobri. Oh, Sobri, c'est exceptionnel. Sobri, très bien, ouais. Amine featuring Leslie. Exceptionnel. C'est quoi comme son ça ? Mais tu l'as connu. C'est Ryan B. Fever, mec. Oui. J'ai jamais vu. Hein. Ryan B. Fever. Incroyable. Ah, mais c'est pour ça du coup, Ryan ? C'est exactement pour non, ça. Non, c'est mec. Son prénom, connard. J'avais capté, ok. Énorme. Je te déteste. Il est trop chiant, putain. J'ai compris. Mais je crois que tu connais pas Sobri. Je crois que vous connaissez pas Poncerive Sobri, non ? La dernière fois, je vous en avais parlé et je crois qu'on a déjà eu cette conversation de moi qui vous dit mais si. Ah non, moi je connais pas, je suis désolé. Ouais, la chanson que vous avez chantée là me dit un truc. Mais de toute façon, mon mec non, musical, pas chanté, elle a chier, donc du coup... Ah bon, bah non, je sais pas. Le mec, il connaît pas Sobri, quoi. Let's go, les gars. Alors que c'est de la frappe, en fait. Ah, très bien, oui. Ça me gratte. Non, arrête. N'hésite pas. Ça me gratte vraiment. C'est psychologique. Non, ça me gratte vraiment, là. Non. C'est une information. Si, ça me gratte, si. Si, là actuellement je te le dis, ça me gratte. Débunk cette information directement. Non, ça te gratte pas. Tu sais, en ce moment, oula, l'éléphant. Excusez-moi. L'éléphanto. Non, JD, je te déteste. Putain. Je suis désolé, en vrai, t'es sur le chemin, mais regarde, je me fais avoir aussi, donc c'est tout va bien. C'est moi. Mais donne-moi un objet et ça tourne à l'infini. Nique sa mère. Ah, tu vas être déco, mais là, il y a un problème de serveur, hein, je pense. Ah bon, bah pourtant c'est Nintendo, je le vois pas. Moi j'ai passé la ligne d'arrivée, y a pas ma place d'écrit. Hein, pareil. Ça m'étonnerait vu. Vu que c'est Nintendo, c'est bizarre. Ah bah c'est ça. Nintendo, non. Ah c'est bon. Ah non. Moi c'est bon là. Non mais c'est parce qu'il y avait la VAR, ils ont mis un peu de temps à regarder, ils voulaient bien vérifier tranquillement. Non, moi c'est pas fini. Ah non, mais il y a des mecs dans les locaux de Nintendo qui sont en train de. En fait, à chaque fois. Sur les câbles là. Non, c'est pas ça, c'est à chaque fois quand on fait une partie en online, il y a des mecs qui étudient la ligne d'arrivée et qui regardent qui est passé et qui donnent le classement manuellement. C'est assez long. Bravo! La 3G, il n'y a pas trop. Là, il y avait les calculs à faire sur Excel pour le tableur final et voilà, c'était compliqué. C'est normal. Tu fais mes, hein. T'as été très grand, bravo. Non, mais en fait, oui, mais je joue pas en randomizer, c'est nul. Là, je vais jouer en randomizer. Oula! T'es très fort, mec. GG Pompon, t'es trop fort, mec. Bravo. Eh, mais il manque quelqu'un dans la room. OMG, j'ai pas joué en vrai. Le jeu de Yoshi. C'est vrai que ça fait longtemps. Oh, le jeu de Yoshi. Ah, vous voulez faire un jeu de Yoshi? Vous voulez partir en jeu de Yoshi là? Je propose. Est-ce qu'on fait jeu de Yoshi into Golf Gang? Non, est-ce qu'on ferait pas un dernier tournoi normal into jeu de Yoshi? Un autre tournoi, tu veux? Mais tiens, pas trop envie de jouer à Golf Gang, j'ai l'impression. Non, mais plus tard. Putain, quand il ira se coucher. Notamment quand il ira se coucher. Putain, jamais. Un dernier tournoi, mais en 8 peut-être. En 8.
Vas-y. Allez. Tu es toujours là? Oui. Oui. Bon, si je vais te Attends, juste une seconde avant de lancer parce que j'étais en moto Interstellar Express, c'est un enfer. Ah merde, t'as lancé? J'ai lancé au moment où t'as dit une seconde avant de lancer. Mais donc, tu peux changer maintenant en vrai, Aurélien? Non. Je vais être intenable. Je ressors de la méditation, je vais mettre du Genali, c'est impossible de perdre. OMG. Laquelle? Je vais mettre. C'est très possible de perdre au contraire, justement. Tu vas mettre J'aimerais tellement par hasard? Non, non, je vais mettre US Boy. US Boy sont le rêve des French Girls, bien évidemment. Moi je connais pas du tout Genali. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté cette musique. Genali, mais Genali ça buzz quand en fait? Moi non plus je connais pas trop, j'avoue. Genali. Ça me dit rien aussi. C'est vrai que non, c'est un trop con. Mais demain j'ai une playlist. Elle devait pas revenir récemment? J'ai jamais vu. Oh, elle devait pas revenir, elle avait mis un message genre... Bah ouais, elle devait revenir, ouais. Ah si, j'ai vu ça, oui, c'est vrai. C'est de quoi elle devait revenir? Vous la connaissez, elle vient où? Je comprends pas. Mais non, mais elle a posté un truc sur ses réseaux en mode « bientôt de retour », un truc dans ce genre-là, tu vois. Et en fait, pas de nouvelles depuis 2 ans, quoi, donc... Oh merde. Alors, ok, bah vous me dites si vous avez des news de Jen, en vrai. Bah on essaye, ouais, je monte sur la brèche tous les jours, mec, je crois que je fais quoi. En huge. Qu'est-ce que c'est que ce setup de merde, là? Je suis Splatoon. Bravo Splatoon. Oh putain, je suis en moto inter. Trop hâte de Splatoon. Joseph un peu, moi, mais... Moi aussi, je vais jouer, je pense, à la sortie. Ah ouais, let's go, let's go. Ça sort quand, déjà? Septembre. Mais tu sais que j'étais vraiment pas nul au jeu, quand j'ai joué. Et toi, Rayou, t'as jamais été nul à un jeu, en fait. Valorant. Non, t'es pas nul à Valorant. T'as juste pas joué, mais t'es pas nul. T'as pas regardé le live hier, toi? Ah non, je regarde pas, non. Ah oui. Oh oui, t'inquiète, c'était un bon check. Mais c'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça, moi? Qu'est-ce que je fous? Ça va suffire, là, les objets qu'on m'envoie. C'est drôlement méchant. Putain, Riven, c'est le premier avec un klaxon. Ouais, je suis avec un klaxon. Mais c'est injouable, c'est injouable. On le rêve des French girls. Moi je connais pas du tout Genali. Hein. Ouais, non plus. Oh, bah, tu rates ta vie, mec. Je crois que j'étais déjà trop vieux en fait au moment où c'est arrivé. On dirait que t'essayes de te justifier. Mais vraiment, moi je la connais pas du tout. Je suis désolé. Je la connais pas. Vraiment, ça me dit rien. Vraiment, je connais pas. Non, mais je veux dire, je connais pas les mythes. Jeanne Illy, vous m'avez dit Jeanne Illy. Ah non, vraiment, aucune. Je comprends pas ce qui se passe. Allez, Castor et Andy. Putain, Ryan. Mais comme la dernière fois, il y avait personne. Oh. Je disais, oui, c'est quoi la musique la plus connue de Indie là? Je me souvenais plus du rythme et du bruit. Dernière danse. Dernière danse. Là, putain, c'est. Et du coup, et j'ai demandé à au moins 8 personnes là où j'étais et personne n'a réussi à me répondre. J'ai fini par trouver la réponse toute seule. Dernière danse, on est dans le vide. J'aurais envoyé un DM, j'aurais su. Love story. Moralité. Ça captait pas, ça captait pas. C'est ça qui rendait ouf en fait. Et moralité, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Ah, c'est bien dit, ça, Ultra. Oh, Jean, t'as pas appris. D'accord, ok. Bah, bravo, JD. Hein. Bah, super. Oh, super. Oh, bah, génial. Super. Génial. Super. Let's go. Oh, il est toi, bien joué, mec. Non, c'est pas. Non, je fais nain, pas la fin. Dépasser Rayou en montant à terre. Non. Oh, putain, quelle vie de merde. Je vais mettre Love Story, je parle plus jusqu'à la fin du GP. C'est tellement gênant ce qui s'est passé. C'est de la merde. Mais non, c'est pas. Dis pas ça. Bah, si, c'est vrai, là, c'est factuel, là, je suis 9ème, là. Love Story d'Indila C'est le format Adam, évidemment, mec. Love Story le manga? Banger. C'est un son de fou, mec. Un son de fou, je suis d'accord. Love Story d'Indila, c'est vraiment un son de fou. Incroyable. Moi, j'ai bien aimé ça. Beaucoup moins bien. J'ai bien aimé sa dernière, là. C'était. Par la ta tête, non? C'est pas ça? Ouais, oui, je l'ai trouvé cool. Mais vous écoutez ça où, en fait? Quand ça sort, vous allez sur Spotify écouter ça ou genre... Ouais, YouTube, ouais. Ce que tu veux, ouais. Ok, d'accord, ouais. Ok. Ouais, les différentes plateformes, finalement, de diffusion. Ouais, voilà, qui diffusent de la musique. On écoute de la musique maintenant, tout à fait, mec. Oh, c'est okay. Jeanne Illy, hein, c'est ça. Hein. Jeanne Illy. Oh, l'âge de cette phrase. J'ai écouté ça sur mon lecteur cassette, voilà. Non, mais à la radio, à la radio, vous écoutez ça à la radio. Mais ouais, non, on écoute ça sur Spotify, sur YouTube. Personne écoute la radio, mec. Vous écoutez ça sur les ondes, on est d'accord. Sur Chérie FM, beaucoup, sur les ondes, principalement, d'accord. Jeanne Illy, hein, c'est ça, Queen Jeanne Illy. Bien sûr. Antoine, il comprend toujours pas. Mais vraiment pas, en plus. Mais c'est trop bien, hein. Vous rigolez de moi, mais je comprends pas. Vous rigolez de moi, mais je comprends pas, c'est trop bien. Oh, en fait, je comprends pas, en fait. Quand tu nous disais
que tu connaissais vraiment pas Genali, etc. Ça faisait très genre le mec qui connaît hyper bien et qui essaye de cacher. Tu vois. Voilà. Ah non, genre, non, pas du tout. Oui, pas du tout en fait. En fait, tu l'as répété genre 4 fois. Tu l'as répété genre 4 fois en mode. Je connais vraiment pas. On était en mode, on a compris, Antoine. Ah non, mais Antoine, il connaît pas. Tu ne cacherais pas quelque chose. Même j'assumerais 100% si j'étais pas. Bah oui, non, il y a pas de honte. Oh, oui. Oh, bien joué, la banane, elle était tellement bien. Merci. Par contre, moi j'ai un setup. La moitié de l'écran. Ah, mais c'est toi l'énorme bagnole là. Oh, le jean régular, veste en cuir. Bien motard. V à tous mes motards. Putain, et toi. V à tous mes motards. Je suis pas du tout en moto, je suis en Merco, ça n'a aucun sens. Oh là là. Wow. World of Tank. Moi je préfère effectivement les chansons de youtubeurs, vous avez raison, tout à fait. Vidéo aussi. Prêt, Rivency ou pas ? Il y a un petit truc, on va pas se mentir. Il y a un petit truc, c'est vrai. Non, me permet de te balancer, j'y vais. Je connais encore par cœur la chanson à laquelle je pense. De quoi ? Je parlais de chansons de youtubeurs. Est-ce que tu la connais encore par cœur la chanson à laquelle je pense ? Bah, en fait, y en a, je pense à deux chansons qui sont du même artiste, mais. Non, on parle de youtubeurs, pas d'artistes. Est-ce que la chanson a un rapport avec le jeu auquel on joue ou tu parles de l'autre ? L'autre. Ok, ah. l'autre, je sais pas. Mais c'est celle qui a un rapport. Celle qui a un rapport avec cette licence, par contre, oui, ça c'est sûr. Ah, bien sûr. Et Luigi ? Ouais. Celle-là, je l'ai vraiment par cœur, mais. Tu peux nous la faire à capella là maintenant ? Genre, n'oubliez pas les paroles, tu l'as quoi. Are we go ? C'est la fin de Mario ? Tu peux nous la faire là maintenant sur Mario Kart. Les vrais esthètes, c'est la chanson du faux en vrai. Ouais. Non, la chanson du faux. Les vrais esthètes. Ah, ça c'est master. Très bien joué cette bombe. Oh, j'ai dodge avec le crabe. Il est... Oh, le setup de... Blague. Oh, j'ai dodge avec le crabe. Incroyable, ton setup pense vraiment avec le roi bout, là, voilà. Tiens, je suis une légende. Tiens, mon setup. Je te félicite sur ton setup et sur la capacité que t'avais à... Oh là là, j'ai envie de... Wow. C'est la méditation. T'es vraiment pas une très belle personne. Oh, t'as fait combien, Rip, sur la game? 8ème. Nice, on va c'est okay. Toi, là, c'est propre, c'est propre. Même les mains. Moi, je me souviens de la partie où il dit faux. Si tu veux, dans les paroles. Juste crabbing. Comment s'écrit Genali, s'il vous plaît ? J'ai vraiment lu tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Genali. Maintenant, les médias nous respectent. Genali. Mais comment c'est possible de pas être fan de Genali en vrai ? Bah, tu connais pas. Bah, juste en ne connaissant pas, mec. En fait, juste tu connais pas, du coup, t'es pas fan. Je rigole, bros. Ok, je me perds, j'écoute ça maintenant. C'était un décalage comique. Bah, en fait, c'était à l'époque, c'était quand on était au collège, quoi. Ça a un peu vieilli, hein. Mais voilà, quand t'étais au collège, Antoine, ouais. Bah, il était marié déjà. Oula, t'es bien gentil. C'était déjà le divorce. J'avais 8 enfants. J'avais 3 petits enfants. 3 enfants également. J'ai un ferme très fertile. Mais sur un autre sujet, j'avoue que The West Boy de Genali, c'était déjà un peu ringard. Oui, à l'époque, oui, c'était déjà ringard. À l'époque, ringard. Moi, c'est sorti. Genre, j'étais pas en mode j'adore, quoi. J'étais en mode ça fait un peu pit, quoi. Mais... Ah, mais en fait, mais j'étais au collège. Ça fait pit. C'est un peu ridicule pit, quoi. C'est un truc comme ça, j'aimerais tellement, non ? Et je ne sais pas. Ok, j'ai déjà entendu. Ça, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est ça. Oui. Et ben oui. Et ça a été repris par la Fouine qui a dit j'aimerais tellement te dire que tu n'es pas ma chienne. Ah mais c'est pour ça que je la connais. Voilà. Mais Ponce, je te connais par cœur. Je te ride. Avant même le tournoi de demain. Je sais. Ah mais non, c'est vraiment. Ah oui, bro. Mais je te connais par cœur. Je savais pas comment écrire Jane Ali, j'ai écrit ça Jeanne Ali. Oh là là, la fille de Mohamed. Bien sûr. Fille de Mohamed Ali, tout à fait. Qui a fait. Ah putain, US Boy, c'est quand même catastrophique hein, comme film. En parlant de Mohamed Ali. Horrible. Ah. La dernière fois, je suis allée à un concert. Il était là. Non. Je suis allée à un concert et en fait, après ce concert, on va à un after et tout. Waouh. Putain, t'étais pas censé faire ça, étoile. Désolé, bro. Et genre, donc du coup, il y a plusieurs personnes qui sont assez alcoolisées et j'avoue que moi, je l'étais pas du tout. Et en fait, je ramasse. Voilà. On n'était pas alcoolisé en soirée. Voilà. On ramasse quoi ? Je ramasse une carte bancaire trouvée par. Laissez-moi. Mais je ramasse continue, une carte bancaire trouvée. Mais putain, mais arrête de m'interrompre, tu me casses les couilles. Voilà, Philippe, on est sur l'histoire, Ultra.
Arrêtez, vous m'interrompez. Allez, accouche là, c'est long de fou là. Non, bah pour la peine, je la finis pas. Oh, allez. Allez, s'il te plaît. Allez. Il y avait un after, t'étais bourré, les autres l'étaient pas. Non, c'est pas rien suivi, mec. Je trouve une carte bancaire mise par terre et je la prends et il y a marqué Mohamed Ali. Ah bah oui, c'est un vrai nom. Non, mais non, ça existe. Je me dis, mais c'est vrai. Et donc en fait, là, je pars à la recherche de Mohamed Ali en personne. À la recherche. Jusqu'à ce que je me retrouve à dire dans le bar, est-ce que il y a quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ali ici? Et en fait, en effet, voilà, il dit oui, tout le monde fait des blagues sur mon nom, mais je m'appelle vraiment comme ça. Oh bah. Voilà, et il a récupéré sa carte bancaire. Surtout qu'à l'époque où il est né, s'il a ton âge, forcément, le nom de Mohamed Ali était déjà connu, donc c'est pas un petit peu légèrement. Légèrement. Ouais. J'avoue, pas sûr que ce soit le hasard, effectivement. Mohamed Ali, punaise, c'est chaud. Enfin, c'est chaud, c'est top, hein, c'est un beau prénom quand même, hein, pour un beau champion. Ouais. Oh, un beau champion, c'est bien Rive, merci pour cette parole. C'est vraiment un beau champion, effectivement. C'est vraiment un beau champion. Un beau champion. C'est vraiment quelqu'un qui a gagné de manière belle, quoi. C'est super. Mais non, mais Mohamed Ali, c'était la classe, c'était touché sans être touché, c'était super, une boxe aérienne. J'aime trop quand tu pars en mode journaliste. Et alors que c'est Pete Kamaki qui s'élance pour se lancer du javelot, le lanceur finlandais. Alors que Yann Thorpe, bien sûr, qui s'est en regardant sur le plongeoir. La légende australienne qui s'est fait voler sa Rolex dans un taxi. Quoi? Attends, je connaissais pas l'anecdote. Attends, c'est quoi ça? Ouais, je crois qu'il s'est vraiment fait voler sa Rolex dans un taxi. C'était un nageur australien. Ah ouais? Qui avait des pieds, je crois qu'il faisait du 52. Il avait des énormes pieds. Oh d'accord. 52? Ah, mais 52. Il avait des panards, une dingue. Oui, ouais, c'était connu, Yann Thorpe, ouais. Il avait vraiment des panards du jamais vu. Yann Thorpe, son surnom qui était bien sûr là. Torpille! La torpille, bien sûr, ouais, ça se. Vous avez tellement de culture tous les deux, vous pouvez continuer, genre d'autres trucs là. Tu connais l'histoire du poisson chat à Montreux? Oh, vas-y. Ah, histoire du poisson chat, vous connaissez le groupe Led Zeppelin? Ouais, bien sûr. C'est génial ici. En gros, j'étais à Montreux, bien sûr. Alors, c'est une histoire évidemment très connue dans le milieu du rock, hein, bien sûr. Et en gros, Led Zeppelin était en concert à Montreux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait quelque chose évidemment de génial. C'était que pendant le concert, ils en profitaient pour envoyer deux mecs à eux qu'ils payaient pour trouver des nanas pour qu'après elles viennent dans leur loge et puis dans leur chambre le reste de la soirée. Ah, c'est super. C'est ce qui se passe quand The Event, c'est fini. Évidemment. Et en gros, ils les ont ramenés. C'était deuxième, il y a eu une erreur de communication. Encore. Troisième, c'était moi deuxième. En fait, c'est deuxième avant. En fait, c'est juste quand t'es deuxième que sa plante arrête d'être deuxième. Arrête de perf, en fait, s'il te plaît. C'était la première. Pardon, j'ai interrompu l'anecdote. Il y a pas de souci. J'avais l'air bon. Donc l'histoire du poisson chat, donc du coup Led Zeppelin, hop, concert, ils ramènent des filles donc, dans leur chambre, de nombreuses demoiselles, et du coup ce qui se passe c'est qu'ils sont à Montreux, et Montreux, pour ceux qui sont jamais allés, en fait c'est une ville au bord du lac Léman, ils sont dans le plus bel hôtel de Montreux qui donne vraiment sur le port de Montreux, et vraiment en bas de leur fenêtre il y a de l'eau, quoi, tu vois. Donc la soirée se passe, il y a sûrement un petit peu de quelques parties de Uno, il y a un petit peu de drogue, hein, qui circule bien sûr. Surtout de la drogue, plus que du Uno, ouais. Et à un moment donné, les mecs demandent, la réception reçoit un appel, et dans la chambre de Led Zeppelin, on demande à ce qu'on leur ramène des cannes à pêche. Donc évidemment, ils sont défoncés les mains. Ni une ni deux, les mecs, les gens à l'accueil s'exécutent, leur montent des cannes à pêche. Et ensuite, le reste de l'histoire appartient à la légende. Il y avait un Décathlon ou quoi? Bah, je sais pas, en tout cas, ils ont démerdé pour trouver des cannes à pêche à Montreux. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'histoire après est racontée par les gars du groupe de Les Épines. Et le mec qui a vécu cette anecdote le raconte comme ça. En gros, ils ont utilisé les cannes à pêche qui leur avaient été montées par la réception pour pêcher depuis leur chambre d'hôtel. Il y a un gars qui a réussi à remonter un poisson, qui a réussi à vraiment pêcher. Quoi ? Poisson qu'il a donc utilisé ensuite pour... comment dire ça ? Enfin, le poisson chat, quoi, c'est dans le titre, voilà quoi. Quoi? Quoi? Oh, le rock and roll. Je pense que cette anecdote est fausse, hein, quand même. Cette anecdote est fausse. Donc, voilà, l'histoire du poisson chat racontée par le groupe de Led Zeppelin. Il raconte ça en mode ouais, c'est trop cool. Alors, je trouve c'est exactement ce que j'allais dire. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était cool, mais vous m'avez demandé une histoire. Bah, je vous donne une autre histoire. Elle est pas cool, tu vois.
Il y a non, pas non, de non, mais, non, mais pas toi, mais les gens qui ont raconté ça, c'était le rock and roll de fou. On est trop stylé quand même. Ils prennent de la drogue. C'est du rock. Ils mettent des poissons dans la chatte. C'est du rock. Ça c'est rock. En fait les mecs ce qu'ils savent pas c'est qu'en fait ils savent pas si c'est vrai ce qui s'est passé ou si c'était sous l'effet de la drogue en fait qu'ils ont vu ce truc là. Probablement. Donc en fait sauf qu'ils sont plusieurs du groupe à raconter la même anecdote donc je pense qu'ils ont eu un trip. Ah, le trip collectif, bien sûr. Oh, il y a un message dans mon chat. L'odeur vrai... de la schneck après ça. Non, mais l'odeur de tout. Quoi. Enfin, là, c'est la chambre d'hôtel, mais... frère. Ah, non, mais ouais, elle est super. Je pense qu'en vrai, tu vois, ça pourrait se débunker. Ça pourrait se débunker en trouvant quel hôtel c'était, parce qu'un hôtel avec une telle proximité du lac, au point. Au point de pouvoir tendre la canne à pêche, ça me paraît bizarre. Putain, t'es sérieux ? Une vole montée à quoi ? En vrai, à Montreux, mec, ça m'étonnerait pas, parce que vraiment, il y a des lacs, enfin, il y a des hôtels qui sont vraiment sur le lac, quoi. Bah, en vrai de vrai, est-ce que Florence pourrait pas enquêter dessus ? Bah oui, justement, ouais, je vais chercher un nouveau sujet, et bah là, l'histoire du poisson-chatte, ouais, vraiment. C'est en vrai, l'histoire du poisson-chatte. Est-ce qu'ils ont précisé quel poisson c'était ? C'est l'histoire du poisson-chatte, bien sûr. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre à Montreux, en Suisse et dans le monde du rock'n'roll. Y a-t-il eu un poisson dans la chatte d'une demoiselle ? Quel type de poisson était-il ? Un poisson-chat, un thon, un requin ? L'histoire, mais surtout, quelle était l'odeur de la schneck ? Imaginez. L'histoire est folle. T'aimes trop ça, hein? Le dans de la schneck? Oh non, les poissons dans la schneck, ouais. Le chant de Ralsam, ça, non? Oui. Bah, le chant des poissons dans la schneck. L'odeur de la schneck, c'est un son de Ralsam. Ah, bien sûr. Ah, ouais. Et la préface de l'odeur de l'essence, ça va bien. L'ambiance, c'est vraiment bon. 22h, les thématiques sont trouvées. Putain, je encore regardé. Mais ça me saoule. On n'arrête pas de reculer ce soir, j'ai l'impression. Ah, franchement, ça n'arrête pas, oui. Ouais, en tout cas, je sais pas. Je vous ai d'autres anecdotes comme ça ? En vrai, ouais. Allez, let's go. Il y a l'histoire du racu. Alors, l'histoire du racu, c'est. C'est quoi le racu ? Ah, mais c'est le mec qui est allé à l'hôpital pour se enlever le radon. Les racu, quoi. Est-ce qu'il s'est fait un peu de notre gueule avec ces histoires en vrai? Non, mais c'était quoi c'était... Mais évidemment, il y a une autre gueule. Ah non, pas le racu. Non, mais il y avait l'histoire de comment ça s'appelle l'histoire d'un. Putain. Armageddon ? Armageddon. En gros. Ah oui, c'est ça, c'est l'histoire du hamster ? Hamster, c'est connu. Hamster, c'est connu l'histoire de Armageddon après. Non, mais je rigole, un racu, ça n'existe pas, je rigole. Mais oui, Armageddon, il y a eu cette histoire-là aussi, bien sûr. J'ai pas la réponse. Oh non, et voilà ! Alors Armageddon, c'est l'histoire en fait de deux... Comment dire ? En fait, c'était un couple d'hommes. Putain ! Ouais. Qui, en gros, enfin, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur YouTube. C'est Armageddon, hamster. Il y a des images précises, sur la vidéo, ouais. Ok. Bah en fait, elle est racontée par un monsieur et c'est très bien raconté. Je peux vous mettre le lien si vous voulez. Vous pouvez l'écouter. Pour moi, tout le monde la connaît cette histoire. Oui, elle est connue. De mon temps, on la connaissait. Ben non, mais elle remonte moi, à loin. Je crois ça, que j'ai pas la rêve, je crois. De quoi, Florent ? Des gens qui se sont retrouvés. C'est Armageddon, c'est le hamster ? Oui, c'est le hamster dans le cul, ouais. Je ne veux pas savoir. On n'a jamais parlé du hamster dans le cul. C'est un couple d'hommes qui aimaient bien s'amuser, en gros, à s'introduire leur animal de compagnie qui était un hamster dans leur fiac. Le problème, c'est que l'animal de compagnie est resté bloqué et leur safe word, c'était Armageddon. Le truc étant que l'homme a eu une. En fait, ils ont essayé de faire sortir le hamster avec une flamme pour l'attirer au bout du tuyau. Putain, mais oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a eu du méthane qui était dans le cul. Du méthane du cul, quoi, du cul, du coup, ce qui fait que ça a créé une explosion qui a éjecté le petit hamster du cul et ça a enflammé le fiac de l'homme qui avait donc Armageddon. Armageddon, littéralement quoi. C'est... Voilà, en fait, Armageddon c'était le safe word en mode Armageddon, genre il est bloqué dans mon cul. Et, c'est en mode c'est, faut arrêter quoi. Et je vous laisse, c'est ça. Mais du coup le hamster, on a des nouvelles. Le hamster, c'est finito. C'est le hamster, là. Comme dirait Emmanuel Macron, il est finito, le hamster. Mais c'est horrible, si vous voulez la news en entier, la dépêche de l'AFP, bien sûr. Mais c'est horrible. Non, c'est horrible, non. Je crois que c'est l'une des premières vidéos que j'ai vues sur Internet de ma vie. Mais moi, j'ai pas vu la vidéo, mais par contre, cette histoire, elle est super connue. C'est le son radio. Mais t'as appris ça en fac d'histoire ? Non, mais moi aussi j'ai appris cette histoire. J'ai appris il y a pas longtemps l'histoire d'Armageddon, je l'ai découvert en live le jour avec les gens. Je pense que t'en passais trop, je te jure que. Moi c'est un classique, j'étais très bien sans cette histoire. Ouais, pareil, c'est. Elle est trop bien cette histoire, c'est mignon. Ah, eh bien, c'est mignon. C'est Hamtaro. Il va commander un hamster. Ah bah alors, je vais pas te faire un dessin, mais.
Finito. Finito. Putain, j'ai pas besoin de protecter. Finito urétro. Oh, la note de musique, elle me... Ok, c'est bon. Oh là, Ultia. Non, t'es négative, Ultia. Ouais, ouais, de ouf. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, j'appuie sur des boutons sans faire exprès. Toi, t'es négative. En fait, tout a commencé avec la banane que Ponce a mis gratuitement sur Circuit Yoshi. Ponce est très malveillant ce soir. Quoi? Mais je fais rien, je vous écoute, je non, rigole. Non, je joue boue avec des roues, genre non, c'est... Je suis en merco, mec, je suis en merco. Non, mais je te trouve très agressif. C'est une merco d'ailleurs, oui. C'est une merco Benz. C'est une merco. Putain. Ah, on me dit... Je sais pas si vous aussi... Ah dans bah là, vos... Je sais pas si vous aussi... Ils freinent dans une soirée fun. J'ai pas freiné, je voulais mettre une bombe, j'ai voulu tenter un truc, frère. Juste, bah oui, j'ai bah idée de oui. dire quelque chose, attendez. Bah, je sais pas si vous aussi vos chats s'enflamment, mais moi, on me dit que Rivenzi a dit une fake news partielle et que le truc de Led Zeppelin, ça s'est passé dans un hôtel à Seattle et que ça n'a absolument rien à voir avec Montreux. Ah, excusez-moi, bah, excusez-moi, j'étais à Montreux, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oh la honte. À Montreux. Ah, oh la honte. Désolé, l'information principale était donc fausse. Oh la honte, Rivenzi. Donc, moi, ça s'enflamme dans mon chat, hein. Ça ne s'arrête plus. Excusez-moi, j'ai été débunké. Pardon, je me fais débunker en plus. C'est Deep Purple, Smoke on the Water. Ah bah oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Désolé, bah je vous prie de me voir m'excuser alors. D'ailleurs, Florence, tes nombreuses déconnexions là, t'es branché en câble? Non! Ah non, bah voilà, tout s'explique! T'es pas branché en câble! Je me suis mis une banane sur moi, je suis vraiment chaud hein! Oh, Antoine, laisse-moi pour TikTok! Non, laisse-moi pour TikTok, il y a la bleue! Mais autour de la ligne du Yinch. Non, laisse-moi passer pour TikTok! Oh non, mais non! Mais Ryu, la lourdeur! T'as vu la rouge, mec? C'était pas mal, non? Bah, tu l'as juste mis derrière, connard. Bah oui, non, mais t'as kiffé ou pas? Ouais, ça va. Ok. C'était ok. T'as des canapés, j'ai des fusils. Ah, pardon. On joue après ensemble, bro? Je sais pas, bon, faut que je vois le planning de l'agenda. Du roule, s'il te plaît. Faut que je vois l'agenda, mec. S'il te plaît. Faut que je vois, bro. Mais attends, j'envoie un message à Céline. Elle m'a dit qu'elle était d'accord. Let's go. Non, j'ai une réu. Ouais, t'as une réu, pas attends. Ah, excuse-moi, une réu à 23h, ça s'appelle un super like Tinder. Hein. Arrête. Non, en vrai, j'ai une réu, ouais. Ça s'appelle un super like Tinder, c'est vraiment. Regarde-le, ce gros baiser là, de l'étoile là. Hein. Non, en plus, il y a un Steven Lee. Non, mais quoi, en plus, j'ai eu... On me dit que l'histoire d'Armageddon est un fake. Mais non, mais attends, si c'est pour nous raconter de la merde. On va faire beaucoup de fake news là sur ce chat. Non, mais attendez, moi j'ai jamais dit que c'était une vraie histoire, je vous ai juste dit que c'était une histoire que j'avais entendue et elle est passée sur RTL. Alors si RTL se trompe, oh, alors là, je ne sais pas. Si c'est passé sur RTL, alors pour moi c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le lien que tu nous as envoyé, il a l'air bizarre hein, quand même. Ah non, mais c'est un lien YouTube. Non, si c'est RTL. C'est un lien YouTube d'un random. Je suis en train de chercher en même temps. En RTL, c'est safe. C'est quand même un random qui a posté une vidéo qui s'appelle Dépêche AFP en minuscule avec le logo d'RTL en énorme sur la miniature. Moi, je trouve ça bizarre. Mais bien joué. Non, apparemment, ça serait une fake news. Ouais, bah, heureusement, c'est du vrai, coup, hein. Tant mieux. En tout cas, cette info a vraiment été donnée à la radio pour le coup. Après, l'info c'est en finale révélée fausse, mais elle a vraiment été donnée à la radio. Il me semble que j'avais lu que c'était un fake aussi. Après, écoutez, moi, j'ai pas ma carte de presse, je suis pas journaliste. Moi, je fais confiance à la presse. À la presse. Okay, pourtant, je veux pas faire bête pour voir, mec. Mec, on nous ment en fait. T'es quoi? T'es toujours branché devant BF Macron BFM Macron. Tu vois ce que je veux dire? BFM de Macron. Oh ouais, excusez-moi, ça va les complotistes là, hein? C'est bon, ils vont se détendre un peu. Bizarre. On se promène à Paris. Devant la réalité, mais bon, bref. Toujours en train d'écouter les merdias. J'adore Paris. Dans deux ans quoi, on vous retrouve avec votre communauté de hippies tous les deux, c'est ça? En Sarwell, en train de fumer du cannabis, hein, les Rastafari. Bande de malades, Bande de malades. Bande de malades. Antoine. Ça fait pas ça, mec. 3... Oui, non, Rayou, c'est moi, c'est pas. Bah, ah, voilà. Rayou, voilà. Masterclass. Voilà. Attends, Rayou, fais gaffe derrière, fais gaffe. On s'est raté, mec, ouais, tu sais pas viser, mec. Non, t'as décalé, c'est toi qui joues bien, stop dire que. Oh, Rayou. Mais quoi, mais arrêtez. Allez mais hop. Elle est vraiment too much. Florence? Oui. T'es la meilleure, change pas. Arrête pas le vélo. Sois pas deuxième, hein, sinon t'es déco. Mais écrase de Rayou. Arrête pas le vélo, ouais. S'il te plaît. Les complotistes de JD et Antoine, je le savais de toute façon. Oh. Regarde des BFM là, tout le monde. Oh, obligé, Ultia, laisse-moi passer, j'ai un champion pour Dodge la bleue. Il demande tout le temps qu'on le laisse passer, c'est comme ça qu'il gagne en fait. Putain, ouais, enfin, technique simple mais efficace en vrai. Elle est pas il dit juste, mon piège, pas laisse-moi passer et ça marche. Putain, elle est maligne quoi, elle est maligne, elle est pas née la dernière plouille.
La plume. Ah, il y a une bleue là. Moi j'ai des champignons, si vous voulez me laisser passer, je peux la dodge. Tiens, TikTok. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Let's go TikTok. Je te laisse faire preuve. Laissez-moi passer. C'est moi passé, si tu rates par contre c'est grave, Rayou. Je rate pas. C'est un ratable hein. TikTok. Go, merci. Salut TikTok. Salut TikTok. Abonnez-vous à la chaîne de Ultia. Utilisez votre Prime sur la chaîne de YouTube.com/JD. Il faut faire sa pub. Ok, Prime chez moi. Voilà. Prime. Quoi? S'il te plaît, Prime chez moi. N'hésitez pas à aller voir les toits, il a vraiment super contenu, il est génial. Prime chez moi tout de suite. Maintenant. Je pète un plomb. Voilà, je pète un plomb là. Vas-y, ult. Oh non, aucun prime depuis que j'ai vu. Oh non, j'ai le sociopathe. Oh nickel. Nickel, merci. J'ai aidé le sociopathe. Il y a toujours pas eu un seul prime là. Oh shit. Pète un plomb là. Oh shit, okay. Tu mérites de te prendre le Koei Burger dans le cul. Quoi? Girl, the fuck, dude. Ça peut également donner des envies à Florence. Merci pour le prime, merci. J'ai pas bien entendu, refait. Non, rien. Ça peut également donner des envies à Florence. C'est tout. Attends, des envies, c'est-à-dire? Non, rien, laisse. Ça peut aussi donner des envies à Florence. Qu'est-ce qui s'est passé, Étoile? Parce qu'en fait, moi, j'étais devant. Tu sais, j'étais devant toi, loin devant, et j'ai rien compris ce qui loin s'est passé. Loin devant, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a fait un truc que tu dois pas vraiment connaître, c'est un fait d'amitié. Vu que Lucien m'avait laissé passer pour dodge la bleue, je voulais la laisser faire première. Ouais. Et vu que toi, d'après toi, la gentillesse, c'est juste un mot qui existe dans le dictionnaire, mais qui existe pas dans ton cœur de merde. Voilà. Et bah quoi, t'es un malade, hein. T'es un malade. Non mais après, un malade, Étoile. Merci pour les primes, c'est super gentil. Ta backspam des vertes comme un gros tarba. Alors attends, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Tarba, ouais. La première, c'est quand vous avez un champi et qu'il y a un cut qui est fait pour être pris avec ce champi, vous le prenez, on est d'accord. Ouais. La deuxième, c'est que tu préfères quoi? La deuxième, c'est comment ça, t'as backspam tes vertes en fait? En fait, la deuxième, c'est que. Mec, on est cool forever. Calmez-vous. J'ai rien compris. Comme je suis premier, y a personne devant moi que je peux snipe avec. Ok. Tu les mets devant. Tu mais les non, mets y a personne. Y a personne ici. Qu'est-ce qui tombe aujourd'hui? T'inquiète, je vais pas t'aider devant. La tête dans les étoiles. Je suis archéologue, mais j'aime le surf. Terrible! Est-ce que si je mets un coup de boule à Tu viens de dire quoi là? Attends. T'as dit quoi pour ça? De quoi j'ai dit je suis archéologue mais j'aime aussi le surf? Non, attends, mec. C'est quoi ce drive de ski? Pourquoi t'as dit ça? Attends, mec. T'as vraiment dit ça là? J'ai réellement dit ça, mec. Tu me fais un choc mental là, c'est ça? C'est drive de fou. Quoi? C'est quoi la ref? Ils sont les deux seuls à comprendre. Ouais, c'est quoi la ref? Je comprends pas. Incroyable. Comment tu connais? Il est en train de se débrouiller mentalement. Attends. J'ai une théorie sur laquelle il n'y a pas de ref. Hein. Ils ont juste dit ça comme ça. Il y a une ref. Apparemment, c'est la première vidéo d'Antoine. En fait, la dernière fois sur Google, par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'Antoine de genre 2006, je crois. Ah mais c'est pour ça que t'as dit on est cool forever tout à l'heure. Et j'étais en mode, on est bien sûr. Ah mais du coup, en fait, t'avais la rêve depuis le départ. Mec, ça fait 2 heures que je cale des phrases de la vidéo depuis tout à l'heure. C'est énorme. J'ai calé plein de phrases de la vidéo. C'est une masterclass, mec, en vrai. Non mais en vrai, la vidéo est très très bonne. Pour du 2006, c'est très propre, hein, par contre. Ah ouais. Ça veut dire que ça chie. Mais c'était une vidéo de quoi, du coup? Qu'on avait fait avec deux potes qui s'appelait Cool Forever et en fait c'était très archétypo de c'est pour sitcom. Ça que je trouvais ça bizarre que Ponce dise on est Cool Forever mais et on les relevait du coup mais oui bien sûr c'est toujours trouvable hein. Vous pouvez le voir sur YouTube, hein, y a pas de problème. Et j'ai les cheveux longs d'ailleurs dans cette vidéo, by the way. Oui, t'es trop stylé, en vrai je kiffe trop. Moi je t'ai pas stylé, mec, je vais dire ça. Si, j'aime bien vraiment, on dirait un pote à moi. Mais à l'époque. Putain, mais le choc mental d'Antoine était incroyable. Ah, c'était incroyable. T'as dit quoi? Mais en fait, en gros, j'ai une dizaine de, même un peu plus de phrases qui est notée, tu vois, que je devais caler petit à petit. Il les a notées. Mais t'as vraiment fait ça? Ah oui, je les ai sous les yeux là, à ma gauche. Mais là, le. T'es pas venu avec Fredo? Mais maintenant il prépare. Mais tu l'as dit tout à l'heure en plus. Depuis tout à l'heure je cale des trucs, mais en fait ça, mais je crois que ça me gratouille le cerveau depuis tout à l'heure en fait. Mais tu sais, je me dis
C'est impossible que ce soit ça. Mais par contre, la phrase que tu viens de dire ne peut pas être autre chose que cette rêve, en fait. Je suis archéologue, mais j'aime aussi le surf. Archéologue, mais j'aime aussi le surf. C'est impossible que tu le dis pour une autre raison. Mais en gros, ça m'a saoulé. J'ai dit toutes les phrases d'un coup et t'en as capté une. C'est vraiment ce qui s'est passé à l'instant là. Bah, le pic de la soirée, c'est vraiment quand on va les entendre, mais prononcé par Laurent Romeshko. Ça arrive bientôt. C'est le truc final. Oh putain. T'en as montré un bout hier en live. Putain, incroyable. Oui, mais parce que je suis tombé dessus en live par hasard. Mais genre non, complètement mais par le droit, hasard. Mais t'as le droit de t'inquiète. La vidéo est exceptionnelle, vraiment. T'inquiète. J'assume à 100%. Bah oui, de toute façon, j'avais oui. J'avais 19 ans à ce moment-là. Voilà. Et si vous voulez, je vous montre la vidéo. Je la mets dans le chat. Prenez Yoshi. Ah oui, Yoshi vert. Ah, le jeu du Yoshi. Ouais. Attends, Ponce. Ouais. Tu l'avais dit à ta commu ou pas ou t'as, genre, t'as Ah, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que tout le monde est au courant que je vais faire ça. Oui, il y a des gens, quand j'ai capté, il y a des gens dans mon chat qui ont dit « enfin », tu vois. Ah, mais oui, oui, oui. Depuis tout à l'heure. Mais elle est incroyable, la vidéo. Mais ils pour ont le pas capté depuis le début. Et du coup, j'avais Nas comme la NASA. Moi, je vais aller ouvrir le frigo pour Fredo. C'est Funky Joe. Ah, une erreur de communication. C'est moi, guys. Prenez tous Yoshi, je me suis trompé. Alors, malheureusement, les gens, vous venez de faire crash YouTube parce que vous êtes tous allés sur la vidéo d'Antoine. Ah, vous avez fait crash YouTube, malheureusement. Et on informe que YouTube est down, effectivement. YouTube est down à cause de vous parce que vous êtes tous allés sur la vidéo d'Antoine. Cool Forever épisode 1. Cool Forever épisode 1. Je tiens à dire quand même. Personne a spoil. Genre, personne même dans vos chats. C'est un truc de ouf. Ça fait une semaine que je parle que je vais faire ça et tout. Personne n'a spoil. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Ça a 24 000 vues maintenant, quand même, ce truc-là. Ouais. Ça pourrait en avoir plus, en vrai. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, on avait tapé les 1000 vues à l'époque de la sortie. C'est, la vidéo date du 27 juin 2008, hein, messieurs, dames. Attends, mais tu viens, Antoine, tu viens de dire... T'avais quel âge, Étoile? Hein? En quoi? En 2008? Ouais. Je viens de dire aux gens. J'avais 12 ans. C'était la sortie de Mario Kart. De quoi, Ponce? T'as dit quoi? Mais mec, t'as dit qu'il y avait 24 000 vues. Moi, j'ai ouvert le truc tout à l'heure pour l'avoir au cas où. Il y a 22 000 vues 700. C'est-à-dire que là, il y a eu 2000 vues, là, à l'instant. Là. Ouais. Incroyable. Exceptionnel. Cool Forever. Attends, je vais regarder. Cool Forever. Là, on peut la vidéo que Ponce a envoyée, on peut la distribuer? Il y a quand même Je crois qu'il y a du Sum 41. Mais tu gagnes pas d'argent dessus, pourtant, Antoine, t'es sûr qu'on la met quand même? T'es sûr que ça vaut le coup, mec? Ouais, désolé, je gagne rien, effectivement. Bon, allez, ok. En vrai, mec, là, il a les cheveux longs, c'est incroyable. Mais oui, moi, premier degré, je kiffe les cheveux longs, par contre. C'est pas une vanne, hein. Je kiffe trop. Abominable. Qui, ça peut bien être? Il y a combien d'épisodes à ton truc? Il y en avait un, on voulait en faire un deuxième, on avait commencé à le tourner, et on était en mode... En fait, parce qu'en plus, ça se termine sur un cliffhanger. Il y a juste un gars qui rentre, qui s'appelle Funky Joe, dans le lore, hein, bien sûr. Et t'as Funky Joe qui débarque, et voilà, quoi. Il n'est jamais trop tard. Une des trois personnes avec qui je suis est devenue père de famille. Voilà, tout simplement. Félicitations. Et divorcé. Ah, félicitations à lui. Et félicitations à lui, bravo. Super. Père de famille divorcé, tout à fait. Félicitations. Félicitations. Images, là. Allez à 1 minute 40. 1 minute 40 Ah, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ah oui, quand je cours avec le balai à chien. Ah non, quand je retire les lunettes. Quand tu retires les lunettes, c'est exceptionnel. Ouais. Ce gars, il était déjà là, finalement. Tu sais que vraiment, d'ailleurs, il y a des gars que je l'utilise. À l'époque, je les ai réutilisés, genre le truc des lignes. Plusieurs couches de lunettes de soleil, je les réutilisais. En fait, tu m'étonnes, tu vas aller aux États-Unis, t'es un putain de ricain, en fait. Regarde-le là, regarde avec ça. Hey, salut, je m'appelle Chris. En réalité, je m'appelle Antoine dans la vraie vie, mais je me substitue avec ma vie d'américain. J'adore ça. J'adore les frites, les burgers et surtout le burger. C'est une parodie des sitcoms avec des rires préenregistrés sur que des blagues horribles. Et même, il y a plein de trucs, d'éléments absurdes, genre le moment où on est à table. Genre, par exemple, ce que j'ai dans mon assiette, c'est un paquet de pâtes pas ouvert sous plastique, tu vois. C'est que des trucs à la con comme ça. Oui, c'est plein de rêves, de mini-vannes, de mini-trucs. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, ça date de 2008 cette vidéo. Et genre, je sais que le Velcro faisait ça, Est-ce mais que genre. Vous pouvez join, pitié? En 2009-2010, je crois que c'était un peu plus tard. Hein. Rivenzy est pour. Rivenzy. J'arrive, pardon. Il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit. Mon pote, il était allé au Canada, il avait un drapeau canadien. Canadien, le. Oh. Non, j'ai regardé le début de la vidéo, c'est vraiment. C'est mieux que Spielberg. C'est une masterclass. En vrai ça n'a pas si mal vieilli pour l'époque. Je trouve pas que ce soit mieux que Spielberg, en vrai, Étoile. Mais ça te va bien, les grands cheveux comme ça? On est d'accord. Je trouve ça mieux. Et les gens demandent mode de cut, mais maintenant j'aimerais savoir à quand un deuxième épisode pour Cool Forever. Il y a des gens qui avaient dit ça, je me souviens. À quand un prochain épisode pour Cool Forever? Ah ouais. Moi je veux bien faire un des personnages si tu veux.
Putain, c'est vraiment de mal à te reconnaître, Antoine. Enfin, je te reconnais, mais. T'as tellement changé. Mais en vrai, il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit la même tête que ma sœur, ça me fume. Rude pour la sœur. Non mais en vrai tu vois c'est assez fou parce que cette vidéo est vraiment pas malaisante. C'est une vidéo de 2008. Non, c'est pas malaisant. Pour le coup c'est pour ça que je te dis que je l'assume, je suis pas en malaise devant cette vidéo. Est-ce que tu peux encore la supprimer? C'est-à-dire est-ce que t'as accès encore à ce compte? C'était le compte d'une des deux autres personnes avec qui je fais la vidéo. Je crois vraiment que si c'est... Ah, mais attends, pourquoi la vidéo s'appelle Antoine Daniel avant What the Cut? Bah c'est parce que le référencement. Le référencement. Ah mais non mais vous êtes pas sur la vidéo originale. Bah oui, c'est ça que je dis. C'est sur la chaîne The Big Killer, Cool Forever, épisode 1. Ah oui, parce que je me suis dit, c'est bizarre si c'est, ça, si c'est lui et qu'il a écrit Antoine Daniel avant What the Cut. C'est chelou. Le mec se kiffe de ouf. Ah mais on n'a pas la même vidéo. What the Cut, ouais. On n'a pas la même vidéo alors. L'origin story. Ah. La vidéo originale, c'est Cool Forever, épisode 1, sorti le 27 juin 2008. Et qui a 24 243 vues. C'est pour ça qu'on n'avait pas le nom. Là, c'est pour ça. Ok. Petit rappel quand même des règles du jeu de Yoshi vite fait avant de partir. Ouais, vas-y. Jeu du Yoshi. On démarre tous Yoshi vert à chaque fois. On fait des courses. La personne qui est dernière doit changer de couleur. On a dans l'idée 3 vies. Yoshi vert, puis Yoshi orange, puis Yoshi rouge. Rouge, ça veut dire qu'on est éliminé. Donc on a 2 vies quoi finalement. Ouais, du coup on a 2 vies, je dis de la merde. Et puis voilà, quand on est éliminé, on compte pas pour le dernier. C'est-à-dire que si jamais on est dernier en étant rouge. Et qu'il y a juste derrière nous, par exemple, quelqu'un qui est vert, il perd quand même une vie. On ne compte plus, entre guillemets. Et donc, on peut juste faire chier les gens qui ont encore des vies. Et le but, c'est d'être le dernier Yoshi par rouge. Ouais. Je déteste cette map. Ah, j'aime beaucoup. C'est la meilleure. Je me sens un peu oppressé, j'avoue. Désolé, j'ai pas changé en Yoshi. C'est pas grave, tu changeras après, mais c'est grave. Désolé, j'étais pris dans l'histoire du Cool Forever. Désolé, excusez-moi, c'était plein d'émotions. Du coup, non, j'ai pas de malaise par rapport à cette vidéo spécialement. Bon, je comprends parce que. Il y a bientôt 15 ans. Enfin, il y a 14 ans maintenant. Et c'était très marrant, on était même assez fiers quand on l'avait sorti. Bah, la réelle est propre, sympa, hein. Vraiment. C'est pas dégueu. Hein. C'était quoi le logiciel de montage? Ouais. C'était. Je pense que c'était Windows Movie Maker, je vais pas te mentir. Oh oui. Oui, c'est toi qui l'avais la base. Fait. On l'avait fait à deux. On avait monté ça à deux. Et genre, vous filmiez avec quoi là à ce moment-là? Oula putain. Et ouais, mais parce que c'est une vraie question que je me pose, tu vois, aujourd'hui avec, je pense, un caméscope à la con de l'époque, je sais plus ce que c'était. Une Logitech C922. Non, c'était pas une webcam, mais c'était. Je sais plus ce que c'était, un vieux truc. Non, il y avait des webcams de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones, je tiens à le dire. Bah, c'est pour ça que je demande, tu vois, parce que en vrai, avoir un appareil pour filmer en 2008, c'était pas simple non plus, tu vois. Non, on avait un caméscope. Des appareils photo numériques, tu faisais des vidéos. Non, mais sérieux. Oui, t'avais des appareils photo numériques. Je sais plus ce que c'était en vrai. Mais c'était un truc de mauvaise qualité, pas cher. Putain, mais Étoile, vraiment, je sais pas ce que vous avez contre moi ce soir, mais vous me détestez tous. Ultia, je te jure, c'est pour le best-of. C'est vraiment pas contre toi. C'est pour le best-of, il sortira jamais ce best-of. Moi, j'invite des gens chez moi et tout. Et voilà, mais t'es la meilleure, j'ai toujours dit que le tagine était bon. C'est vrai, il a dit ça. C'est pas vrai, Ultia, que j'étais en mode le tagine exceptionnel. C'est vrai, il a dit. Ah oui, bah. Putain, mais... Parce que Ultia nous avait fait un tagine tunisien, et c'est vrai, le tagine était bon. C'était très bon, c'était très très bon. J'en ai repris 3 fois, c'était pas une vanne. C'était bon. C'est un bon mangeur, c'est Étoile, il cache bien son jeu. Ça fait longtemps que j'en ai pas cuisiné en plus. Bah, go demain, je pense. Bon, demain. Vas-y, pendant que vous serez tous au Wanted sans moi. Go. Oh. Bah viens. Pourquoi tu viens pas? En plus, tu peux regarder, il y a ONU et tout dans le tournoi. Tu peux encourager tes joueurs favoris. Tu peux regarder tes bros. Et du joueur de moi, tout ça. Je sais pas, je savais pas que je pouvais venir en fait. Bah, t'as demandé. En vrai, vaudrait mieux pas, en vrai, je vais pas te mentir. Ouais. Oh non, me dites pas que. Et si je passe. Ah non, c'est Ultia. C'est Ultia qui est dernier. Forcément, voilà, Étoile, t'es fière de toi. Quoi de what the fuck? Bah ouais, ça m'a mis trop mal alors que j'étais trop bien et mais tout. Mais j'ai pas fait exprès, j'avais pas que c'était toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Par contre, Rivendi, enlève-moi ce Waluigi de suite. Mais c'est ce que je fais, je veux dire, Antoine, apparemment, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur le Web Comedy Awards où je disais qu'il y avait des rires préenregistrés en boucle et on me dit qu'en fait le rire préenregistré en question est le même que celui dans ta vidéo. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Franchement, je vais pas te mentir que j'ai plus la boucle est bouclée. T'as plus les fichiers, attends. T'as plus le projet là? Tu peux pas m'envoyer là? On peut envoyer le projet premier là? C'était un projet Windows Movie Maker.
Enfin, en 2 minutes, réussir à faire slide les petits noms, Chris et tout, propre. Hein. Chris, Kevin et Fredo. Fredo, bah oui, c'est Fredo. Fredo, tout de même. Fredo, dont le je me souviens que. Ah, mais Riff n'a pas encore changé. Le seul aspect de ce personnage, c'est il tombe. Oui, c'est ça. Tout le temps. Fredo ne fait. Sa seule personnalité, c'est il tombe. Voilà. J'ai tombé. En vrai, c'est drôle, hein. Le seul gag autour de Fredo. Bon, c'est le bon Fredo, quoi. Après, grand respect à lui pour être tombé. Ah, il est tombé, hein. Est-ce qu'il est tombé pour elle? Je me souviens que le pote qui jouait Fredo, pour l'épisode 2, il me disait « Ouais, j'aimerais qu'on développe un peu plus. » J'aimerais qu'on développe. En fait, c'est que mon personnage, c'est juste qu'il tombe, tu vois. Oh, le développement d'accord. Ah ouais. Non, pense, t'as pas envie. J'allais pas assez vite, bro. J'allais pas assez vite, bro. J'allais pas assez. Pardon, excuse-moi, oui. C'est quoi le développement qui était prévu pour le personnage? Oh, je me souviens. Oh dommage, on n'en aura jamais la suite. C'est-à-dire un coup il tombe pas. Je me souviens que on était en train d'écrire mais on était trop foncedés. Et et en fait on était en mode ouais, en fait on a dormi au lieu d'écrire. Et du coup ouais voilà quoi en gros. Y a pas eu la suite quoi. Y a pas eu la suite. Finalement on a abandonné. C'était trop compliqué, fallait être réveillé, c'était chiant. Ouais. Je comprends. Il est fort. Il n'y a jamais eu de suite. Quoi. Putain, je ne focus pas moi, Antoine. C'est pas moi, je suis devant toi. Non, je viens de me mettre une rouge. Mais c'est fou que tu as réussi à déterrer ça quand même, Pompon. Hein. Vraiment, mais je vous jure que j'ai pas cherché. Hein. Je suis tombé dessus par hasard en faisant des recherches de complètement autre chose. Je tombe dessus, je fais mais c'est quoi cette merde? Et... Oh enfin cette merde, mais dans le sens... plus dans le sens... Quel est le fuck de tomber là-dessus, tu vois? Enfin vraiment, what the fuck, tu vois? Putain. Limite, what the cut, tu vois? Ouais, c'est bien ça. Bien sûr, mec, bien joué! T'es en masterclass, là! Bah, c'est un jeu de mots, hein. Quatrième, juste. Oh non, c'est moi! Oh bon. Non, fais chier, casse les couilles! Ah non, non, c'est... Non. Ah oui, si, c'est angle droit, tout à fait. It's angle. Ah, quid du club de jazz, Mr. Ça aussi, c'est un truc dont je suis très content. C'était les fausses pubs que je faisais avant, des pubs audio, avec mon meilleur pote de l'époque, on faisait... des fausses pages de pub audio qui s'appelaient Pantoche. C'est trop drôle, par contre. Pantoche Danger. Je trouve ça, encore à l'heure actuelle, objectivement marrant. Ça s'appelait quoi? Pantoche et Danger. D'accord. Pantoche. Des fausses pages de pub radio. Et Ah oui. Excusez-moi. Et Charlie, elle s'est rename... Jaune ou orange? Orange. Orange. En trois étapes, on déconne. Ah oui. On vient de me dire dans le chat comment j'ai trouvé cette vidéo. En fait, je cherchais... On parlait, tu sais, des mystères des internets. Pas quoi tu parles, mec. Ouais, vas-y, ouais. Mais ouais, tu vois pas de quoi je parle, mais du coup, tu sais, il y a certaines personnes des fois qui organisent ce genre de bail. Bah, c'était ça, et j'ai tapé ça, et j'ai tapé Antoine à côté, et je suis tombé là-dessus, c'est ça. Mais je sais que tu vois pas de quoi je parle, je sais. Bien sûr. Riv, il a pas changé sa couleur, on me dit, mais si, non ? Si. Riv, il a pas changé de couleur, moi. J'ai pas changé de couleur, moi. Il est orange ? Il aurait dû par pénalité juste parce qu'il a pas pris Yoshi. Je suis un peu d'accord. Oh, écoutez, vous êtes deux seums, c'est tout. Vous êtes juste semés, c'est tout. Semés. Vous êtes semés. Décroche, tu raccroches sur Discord, tu bugs. Ah bon, je bug ? Non. Ah ouais, ton son s'écrase, mais comme le son de tout le monde, j'ai l'impression. Mais... Ouais, moi je viens de décocher, recocher tout là. Enfin, recocher, décocher. Est-ce qu'on devrait faire des conversations perso, je sais pas. Ouais, chacun dans son coin quoi. Ouais, ça devrait être genre chacun dans un channel par et écrit. Après c'est à notre chat de rapporter ce que les gens ont dit. Oh l'enfer, le live. T'écoutes ce que les autres ils disent sur les autres streams. Ouais, sur les autres comme ça, aussi. Ouais, comme ça tu réponds. Avec le délai. Ouais, ce serait cool. Ça aurait été énorme. Cool, avec les vannes de Club Forever de Ponce. Par écrit, quoi. Ouais, on peut parler par écrit, en vrai. Il y a Ponce, il parle d'un Fredo, là, sur son stream, Antoine. Depuis tout à l'heure, là. Tu connais un Fredo, Antoine, ou pas de ton côté? Ah, bien sûr. Ah, mais j'ai une banane en 6, c'est une blague. Non, mais sinon... Quand t'as dit le surf et tout, là, j'étais en mode... Waouh. Depuis combien de temps t'avais pas pensé à ça, à ce projet? Mais je l'ai déjà montré en vrai, c'est pas un truc secret, mais ça fait longtemps. Oula, merde. C'est fou quand même que ça résonne dans ta tête, alors que c'est un truc de 2006. Ah ouais, mais gros. 2008. Mais moi j'oserais plus jamais parler des vieilles vidéos, parce que la dernière fois j'ai parlé d'une vieille vidéo de JD, et du coup il l'a dépubliée. Ah. C'est vrai, c'était la quoi? Oui, c'est vrai. Oui. Ah bon? Mais JD il a plus rien.
Je suis fané. J'aurais jamais dû dire ça. Je vois même pas de laquelle tu parles. Non, en fait, c'est même pas j'aurais jamais dû dire ça, c'est Antoine qui a tout pouki. Ah, c'est Antoine. Ah, mais c'est ta pouki. Antoine la merde. Ah, mais c'est Antoine par contre. Bah, c'est toi ta pouki en fait. Mais quoi ? Il y a la pouki dans le sas. Ta pouki, la vidéo, et du coup, il l'a dépubliée. Il a la vidéo ? Eh oui, si tu ne t'en rappelles pas, moi je m'en rappelle. Le joke, même moi je m'en rappelle pas. J'en sais rien. C'était la fuite du bac. La fuite du bac. Ah oui, oui, c'est ça. Oh putain, c'est vrai, t'avais fait. Mais pourquoi Mais attends, je l'ai. Ouais, je sais pas. Tu l'as dépublié parce que t'aimes pas. Non, ça va, c'était vraiment pas le pire truc que j'ai fait. Juste un peu zef. Merci Antoine. Bah, merci pour le soutien. Tout de suite là maintenant. Les spoilers sur la suivante, valait mieux que tu republies celle-là, mec. Ok. Ok. Alors qu'elle était trop cool cette vidéo. Tant pis. Putain. Mais je vais me retrouver. Mais c'est pas gentil. T'es pas gentil, Antoine. C'est incroyable. Ah non, je suis pas très sympa, non. Non, c'est pas sympa. Très beau, en plus, le masterclass. Oh. Mais. Je suis au calme. Je suis bien. Aïe. Mets plein le cul, tu m'es passé devant juste avant. Mets plein le cul, je quitte la room. Non. De toute façon, Nintendo le fera tout seul pour toi. Juste passe deuxième, tu verras. Juste passe deuxième pendant un tour. Putain, mais vraiment devant la ligne, quoi, ça me casse les couilles. Putain, je deviens mauvaise joueuse avec le C'est vrai que, je te sens un petit peu assez. Mais ouais, mais avant, je m'en battais les couilles et maintenant, je commence à... C'est un peu chiant de jouer avec toi, Florence, au final, parce qu'avant, t'étais un petit peu la bonne ouais. Rome, c'est avec qui on avait bien discuté, la bonne copine, Florence, et puis finalement, un peu infect, au final. J'ai plus qu'à mettre la gueule, maintenant. Il a dit. Ok. Je suis infect, je deviens infect. Ok. Je deviens infect, ouais. À vos côtés, je deviens infect. Très joli, Mia, en tout cas, toujours. Qui ne le deviendrait pas en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est trop vrai. Yes. Ne deviendrait pas en même temps. Ouais. Est-ce qu'on devient infect avec l'âge? Ah ouais, regarde JDG. C'est l'influence JDG. En vrai, c'est sûr, c'est l'influence JDG. C'est sûr et certain. Waouh. C'est le club JDG. Ouais. Waouh. Allez, c'est parti. Je suis en full smurfing. Moi aussi. En ce moment, Florent, j'ai un nombre incalculable de personnes qui me confondent avec toi. Moi aussi, un truc de ouf. Mais en fait, vous voyez des fois les tweets tellement. Et les captures et genre de choses. Mais vraiment, genre, je crois que tous les lundis, j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire: mais t'es pas avec la team cette semaine? Comment ça se fait? C'est-à-dire. C'est bien parce qu'on a une vanne récurrente. Ils confondent les femmes. Enfin, une vanne. Une dure réalité, quoi. Une vanne. Non, mais je suis trop nul au jeu. Oui, Étoile, c'est vrai. Dis pas c'est ça, vrai. Étoile, je suis offensé, hein. C'est pas vrai, je suis le meilleur. Ah, merci. Ouais, Étoile. Méditation, Étoile. Non, mais demain, je te jure, je vais... En fait, là, dans ma tête, je suis trop positif. Demain, je vais perdre un match, je vais être en mode, c'est fini. Et tu vas pas perdre de match, en fait. C'est ça, le truc. En vrai, Étoile, je te vois trop à chaque fois quand tu rages comme ça avec une sorte de nuage au-dessus de ta tête qui devient noir au moment où tu commences à sombrer. Les éclairs et tout, et c'est catastrophique. T'es en mode non, Étoile, s'il te plaît. Mais tu sais que là, c'est demain, là, j'ai trop peur du moment où, genre, je joue parfaitement au début, et puis je perds une game et c'est terminé. Mais jamais, tu perds aucune game, mec. Mais arrête de dire ça, frère. Je sais, c'est le pire truc. Bah oui, tu sais très bien que c'est possible. En tout cas, si tu perds une game, oui, y a de quoi bader en vrai. Bah oui. Non, je rigole, mais lui dis pas ça. Mais je rigole, il me dit, bah oui, c'est pas rassuré, il est horrible, il sait rien dire. Mais c'est. En vrai, si tu perds une game, c'est que t'es vraiment une merde, mec, quand même. Hein, mais bon. Il me répond oui, en vrai. C'est très très chaud que tu perds demain, mec. Elle t'a quitté, mais en même temps, mec, t'as vu ta gueule. Enfin, genre, vraiment, c'est vrai que c'était mérité qu'elle m'ait largué. J'aurais fait pareil à sa place. J'aurais fait la même chose, mais t'es mon pote, donc ça va, tu vois. On couche pas ensemble, heureusement. L'enfer. Par contre, c'est marrant parce que demain, il va y avoir Gluto qui va casse, et ça, c'est rigolo. Il va te caster, mec. Gluto qui va casse Ponce au Nutrem. Le match de fou. Ça va mettre très bien. J'ai fait de la merde. Surtout qu'en plus, ce qui va être trop bien, c'est qu'ils vont casse des gens qu'ils connaissent pas super bien. Et ils vont prendre des pincettes et tout, ça va être trop marrant. Non. Y'a quoi demain? En fait, demain. Oh là là, horrible. Horrible. Demain, il y a le Wanted avec plein de gens invités. Il y a un tournoi un petit peu en mode All-Stars, machin, bidule. C'est moi. Et c'est sur la chaîne de Solari et NTK. Une bonne course en plus. Solari et NTK.
Mais je suis désolée, je reviens là-dessus, mais Ultia, à part le fait qu'on ait deux meufs qui stream sur Twitch et qu'on est brune, c'est quoi qui... Mais je ne sais pas, et vraiment, on ne m'a jamais autant Mais il y a un C dans votre prénom. Je suis désolée. C'est vrai, ça fait beaucoup, là, quand même. Hein. Mais on m'a beaucoup dit ça récemment, là, vraiment, ces dernières semaines. Ah, on l'a jamais marrant. On me l'a jamais dit, perso. Ouais, c'est marrant. Même la voix, pas du tout, je trouve. Mais oui, pas la voix. Ouais. Mais genre, pas du tout la même voix, je pense. Alors que ton nom est écrit partout sur la page, j'ai du mal à comprendre la confusion. Mais je pense que ceux qui confondent sont peut-être des gens qui... Votre aversion pour l'argent, peut-être. Pas du tout, tu vois, je sais pas. Tous les lundis depuis plusieurs semaines. Plusieurs meufs sur Twitch, quoi. Ça fait beaucoup, quand même. Tous les lundis depuis plusieurs semaines, c'est... Bah attends, t'as pas assisté à la Pixel War, toi? Oh, la Pixel Wars, c'était... Moi, je l'ai regardé de mon côté, quoi, mais... Bah, parce que c'était... Il y avait la fille, quoi. Il y avait la fille. Un coup, c'était Ava, un coup, c'était Baguera, un coup, c'était Ortier. Enfin, n'importe quelle fille qui passait, mais c'était à chaque fois, il y avait la meuf. La meuf. À chaque fois. C'était la meuf. Et ils avaient l'impression que c'était la même tout le long, alors qu'en fait, non. Il y en a eu quatre différents. La meuf. Oh là là, un petit effort tout de même. C'est parce que vous êtes cool toutes les deux. Oh, c'est gentil, ça doit être pour ça. C'est tellement faux, mais... Okay. Oh, c'est tellement pas vrai. C'est pas les gens, ils avaient vraiment un bon Mais qu'est-ce que tu nous lâches ce soir, alors ? Tu vois, par exemple, ça. Quoi ? Heure ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Heure ? Qu'est-ce que j'ai fait, fort ? Moi, je prends. Non, mais là, c'est bon. Là, je rentre dans la bulle de positivité. Ok. C'est terminé. Il dit ça tout le temps et c'est jamais vrai. Je te jure que tu vas voir demain. Je jure pas, mec, je jure pas. Mais tu verras. Zéro tilt, full positif. Ah, c'est pas maintenant. Tu verras. Okay. Tu verras. C'est terminé. Peur. Ta gueule. Ah, voilà, c'est positif, ça, peut-être. Voilà. La bulle de positivité, elle est là. Oui, c'est une bulle. Une vraie, une bulle qui a bien éclaté déjà. Ah ouais, une bulle spéculative. Moins. Une bulle spéculative. Ça va bien jouer, France. Oula, pas bon. Oh, je suis en 8, on me donne un bloop là. Ah oui, oh, la sèche. Qui m'a rappelé aussi une de mes vieilles vidéos sur YouTube. Il y avait deux vidéos, mais surtout une qui est très très bien. Que j'ai fait en 2011 avec un ami. Non, pardon. Et qui s'appelait le vagin. Ok. Oh, oui. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment très très bien. Voilà. Ça, c'est une vidéo test. C'est autorisé, ça? Bah, je sais pas, à l'époque il y avait aucune règle, hein, je vais pas te mentir. La vidéo s'appelle Le Vagin. Eh oui, pourquoi tu pourrais pas? Oui, évidemment, tu peux. Bah, pourquoi pas, oui. Ah non, mais je parle. Parce que YouTube, maintenant... Le vagin, tu penses que tu serais moins référencé s'il y a ça dans ton titre? Mais après... Ça, c'est sûr, 100%. Ouais. Ah ouais, ça, oui, mais par contre, t'as le droit de la poster. Oui, t'as le droit de la poster. Putain, c'est chaud. Je sais pas, je vois des gens maintenant qui censurent... Même sur Facebook, j'ai vu ça l'autre jour. Des gens qui censurent les mots sexe, guerre, etc. Parce que c'est couler les posts, y compris dans les groupes Facebook privés. Ouais. Donc c'est chaud. On en est là, quoi. C'est chaud. Oh non, non, non. Rayou, s'il te plaît. Non, Rayou. Oh, tu m'as fait chier. Ah bah, voilà, je suis pas d'orange. Ah, putain, merci Antoine. Merci Antoine de me sauver, putain. Let's go, Antoine et Orange, let's go. On joue dans une saucisse. Ok. J'ai eu une erreur de communication, j'en ai marre. Hein. Non. Sérieuse ? Non. Bah oui, c'est pas quoi ? Ce qui se passe. Mais Florence, c'est qui pédale dans ta cave pour que t'aies internet ? C'est moi qui pédale dans la cave de Zera. Bah ouais. Ah, d'accord, bah oui. C'est pour ça que t'as déménagé à Montpellier. Okay. Ça, je comprends. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer là ? Je sais pas trop en vrai là. Ah, mais du coup, si. Ah, il y a Florence qui est déco, mais tu peux revenir. C'est pas grave, elle est en rouge. Mais je suis en rouge, donc on s'en fout. Ok, mais alors, tu peux revenir quoi. Tu dis quand tu reviens, comme ça, moi j'attends avant de tester ma map. D'accord. Ah. Ça va faire juste. Automatiquement... Attends, moi j'attends au dernier moment. Il a voté. Hélas, Florence ne sera pas là. Attendez, j'ai attendu le dernier moment. La streameuse que j'aime bien, c'est celle qui a gagné le Poké Bingo. Vous savez, celle qui est dans les Amis Bro. Il y a quelqu'un qui répond Sunday. Oui, c'est Sunday. What? Bah après, la définition correspond aux deux. C'est vrai. Elle a gagné le Poké Bingo aussi. C'est vrai qu'elle a gagné, Ultia. Incroyable. J'ai gagné le Poké Bingo. T'as pas gagné, t'as oblitéré, genre. J'ai fait un record de points et tout. Ah bon, elle a détruit la game? Ah, c'était abusé. Bah, genre, t'as fait 66. 66, ouais. Et le deuxième a fait genre 19,
Enfin, genre. Quoi? Oui. Oh. Oh ouais. Ah, c'était vraiment. C'était un no match, mais genre. Déjà, moi j'ai regardé un peu, au bout de 25 minutes, c'était déjà fini en vrai. Enfin, genre. En fait, j'avais. En plus, j'ai eu les points de run, donc. C'était vraiment. No match, quoi. En fait, tu t'es entraîné, quoi. Bon, forcément, ça a dû. Ah bah oui. C'était quoi le jeu? Il fallait faire quoi? Alors, en gros, un Poké Bingo. C'est une émission qui a eu lieu sur le stream mercredi soir. Ouais. En fait, c'était sur. C'est une course Pokémon avec des objectifs à cocher, comme dans un vrai bingo, en fait. Et là, c'était sur Pokémon Rouge Feu. Pour faire quoi, en fait? Et du coup, en fait, t'as 2 heures pour aller le plus loin possible et pour cocher le plus de cases possible. Donc, il y a par exemple capturer un Pikachu dans la forêt de Jade. Ok. Avoir le deuxième badge. Capturer 4 Pokémon poison. Choper, tu vois, je sais pas, la CS ballon, enfin peu importe quoi. Et tout le monde a les mêmes objectifs ou ça te varie selon... Tout le monde a les mêmes objectifs, on a la même grille. Et d'ailleurs, on peut faire des combos avec des lignes, des colonnes, des diagonales, etc. Un bingo. Ah, c'est trop bien. Et en fait, du coup, j'ai gagné, j'ai lavé le serveur. J'étais content. Bien joué. Bien, Florence. Est-ce qu'il y a JVD, je le verrais trop faire ça, des bingos comme ça sur Pokémon. Ah, c'est rigolo comme truc. Mais après, Pokémon, tu joues pas à Pokémon, toi. Il faudrait que tu fasses ça sur un petit Paper Mario. Un Paper Mario, j'avoue c'est trop. Tu sais que, genre, la prochaine sur Pokémon Snap, incroyable. Sur Pokémon Snap le 1 ou le 2? Ben, sur celui qui est sorti, là, ça serait trop drôle, genre. J'avoue. Ah, sur Pokémon Snap, ça pourrait être marrant. C'était trop bien, sur Pokémon Rouge Feu et tout, c'était trop satisfaisant. Mais après, Wingo, il avait un peu traîné, hein, c'est juste qu'il avait jamais joué un... Ah, c'est pas un joueur Pokémon, quoi. Un Pokémon, mais... Il avait traîné. Ouais, mais tu l'as oblitéré. Après, Wingo en multigaming, il est pas ouf. Il veut baiser Wingo, on le rappelle. Ouais. Pour moi, j'ai perdu. Hein. T'as peut-être pas perdu. Non. N'en fais pas ça, mec, putain. On a croisé des bottes à contresens, ça avait aucun sens. C'est qui le dernier vert? Ah, c'est Antoine. J'ai mis une orange à quelqu'un. J'ai mis une orange à quelqu'un, je sais pas qui c'était. Je te jure, Antoine, que j'ai pas fait exprès. Antoine, je te jure que ça a été mec. C'est bizarre quand même. Non, mais y'a pas de problème, mec. Non, mais il s'est passé un truc bizarre dans ma tête. Non, t'inquiète. Non, mais vraiment, en fait. Non, mais j'ai basculé dans un côté obscur. Ouais, bien sûr, la bulle de positivité, donc c'est ça. Okay. Ah oui, c'était ça, oui, c'était ça. C'était, Non, c'était... C'est vraiment une merde, étoile. Hein. Non, c'est une catastrophe. Bah, ça sera Park Baby, alors, hein. Let's go. Je vais voter que Park Baby en boucle. Let's go. Non, mais... En fait, je te jure également donner des envies à Florence. J'ai fait exprès, mais c'était de la merde. Yes, ça a été très malveillant. Miel dans mes oreilles. Non, je m'en veux, j'ai plus envie de jouer. Mais t'étais en bulle de positivité il y a très exactement 2 minutes 37, non, vraiment, mec. Je vous ai dit, c'est jamais vrai. Genre, vraiment. Vraiment, genre. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit. Non, mais si. Vous inquiétez pas. Le mental, enfin. Ah, vraiment, c'est fou. Mais non, j'ai un mental de fou, ouais. Ouais. Oh, bah. Ça vient de se voir. Et là, je vais finir premier alors que je suis rouge. Tu vas avoir pompe. Tu vas voir quand on va s'affronter demain, mec. Il y a peu de chance, hein, vu l'arbre. Bah, le loser est vite arrivé, hein. Je peux arriver en loser. Ouais, bah moi je sais que c'est un mauvais tir. Oh là là. Décidé ou pas de toi, étoile, enfin dans le tournoi, tu fais le tournoi aussi principal, pas que le tournoi des invités. Ouais, le principal, je suis seed 65, je crois. Oh. Il y a combien de participants? Désolé, j'ai pas suivi. Il y a 350, je crois. Quand même, putain, c'est insane, quand c'est trop bien d'avoir autant de participants. Mon dieu, j'ai vu ma vie défiler, c'est orgasme. Il y a beaucoup de gens. C'est Solary, du coup, par l'intermédiaire de NTK. En fait, qui de base a toujours organisé ça, et maintenant c'est ce. Enfin. Solary qui est en partenariat avec lui. Vu qu'il est event manager Smash Solary. Je fais quoi? Comme ça ils ont un joueur et en plus ils développent la scène avec quelqu'un qui va organiser sous leur nom c'est ça. Des compètes, quoi. Du coup c'est cool, ils font le pluie et le beau temps. Pluie et le beau temps. Exactement. Oh, c'est pas grave, j'ai plus rien à perdre. J'ai une question con. Il n'y a aucune question conne, bien sûr. Est-ce que les bananes elles disparaissent au bout d'un moment ou tant oui. Que un tour, les... ouais. Un tour et demi ou deux tours, je crois. Ah ouais. Putain, je savais même pas. Oui, à peu près. Je savais même pas non plus. En gros, si tu mets une banane sur le tour 1, elle sera pas sur le tour 3, quoi. En gros. Ah ouais, okay. Je savais pas du tout. Vraiment. Oui.
C'est pour ça qu'on aime bien voir Judy, il a ses petites infos supplémentaires. C'est un connard de Judy qui met une banane du coup sur ma gueule. Du coup, c'était pour te montrer, là elle sera encore autour. Ouais, ok. Ah non, elle sera plus là du coup. Elle sera plus là parce que tu te l'es prise, mais voilà, après essaye de. Ouais, bah c'est bon. Putain, on apprend des trucs encore après des milliers d'heures de jeu. Ok. Moi perso, j'ai 30 heures de jeu. C'est faux. Le menteur, le mauvais menteur. Putain, Antoine! Ça va? C'est gratuit ce que tu viens de faire. Chope les gens qui sont devant en fait. Ouais, ce que je fais, t'inquiète. Ouais. Dis dépasse-moi Ryu. Ouais, ah, ouais, 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 c'est ça, ponce. Ouais. Oh, pardon, bien pour joué. Focus, mec, quoi désolé. Hein. Genre, t'avais. C'est vraiment un concours j'ai de pas fait exprès, mec. Voilà. C'est vrai? Je te jure, je regardais derrière moi en fait. Putain, okay, mais okay. Pas de femme! Oh, pardon, oui, mais sauf que. Pardon. Ah oui, mais non, ah, pas de femme! J'aurais pu passer devant. Rayou, oh merde, Rayou, Rayou! Oh Rayou, la boule de positivité! Oh, je suis dégue, Rayou, putain! Oh, mais c'est pas grave parce que contrairement à toi, moi je peux encore jouer là. Mais moi j'ai attends, mais c'est fou! Non, mais je deviens toxique, je vous le dis, faut que j'aille jouer une terrasse. Elle a dit nique ta race, je suis choqué! Attends, elle a dit nique ta race, Angloise? Bientôt elle va avoir l'accent du sud, nique ta race, Antoine! Ça me déconne! Elle va bien manger tes morts! C'est moi, nique ta race! Ah ouais! Nique ta mère, mec! Elle va bien manger tes morts! Ah ouais. Non mais je vais. Comme Florence, la méditation, là. S'il te plaît. La méditation, Florence. Je vais prendre le compte premium sur Petit Bambou, ça va pas faire. Un... Fut un temps où elle disait flûte, exactement. Non mais franchement. Mais j'avais flûte, Antoine. Il y a un an, elle aurait dit flûte. Oh. C'est vrai qu'elle disait flûte. Quel jouet qu'avez-vous fait à Florence? Oh, cette session MK me brise. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis dead. Ta gueule, non, toi. Ta gueule. Deck. Oh, l'ambiance, elle devient un chier. Ça va être tout le monde. Ta gueule. Ouvre les portes interdites. Ah, mais t'as pas joué à Golf Gang. Le mot bricole. Oh, ça va être violent si on joue à Golf Gang. Ça va être horrible. Ta gueule. Non, toujours t'es calme. Make Florence calm again. Exactement. Tu respires par le nez. Ça vaut mieux. Respire par le cul. Allez, bien joué. Mais enfin, Florence, toi qui es si calme, je comprends pas. Toi qui es si douce. Toi qui es si douce. Ah oui, j'ai la ref. J'ai la ref. C'est une féminine, ça. C'est quoi ça? Ok. Quelle course de fou quoi, je vais la reprendre juste après. Hein. Non, 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 pas le droit de remonter, non, non. Pas le droit. Interdit okay. Par le jeu. Strike Slide Bike alors. Okay. ça me va. Ouais. Ouais, ça me va aussi, j'aime bien cette map. Ouais. Comment vous pouvez aimer Excite Bike? C'est un parc baby en plus grand, genre ça a pas de sens. Je déteste en fait, du relief et tout. J'aime bien les boss. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien les boss. J'aime bien le fait que tu puisses cut dans l'herbe, dans les virages et il y a de la boue et tout. Ok. Moi, je peux te faire une. Si tu veux, je te fais une copie double, hein. Je te dis un peu les arguments, les tenants, les aboutissants. En vrai, ouais, de la map. Moi mes DM sont open, hein. Tu peux m'envoyer un truc. Y'a pas de soucis, mec. Mec, tu vas le lire truc. Attentivement, putain. Mec. Je sais même que j'attends que ça. J'attends que ça. Oh, la lumière rouge, là. Mécané, là. Un petit éclair, là? Non. Non. Ah, bah, j'ai perdu. Oh. Oh, putain, les clairement. Oh là là, j'ai perdu. En vrai, peut-être pas avec. Oh, je suis mal. Oh non, non, mais quelle map de merde! J'ai pas de. En plus, j'ai pas d'item, c'est horrible. Faut être vraiment quelqu'un de très très mauvais pour voter cette merde. Oui, oui. Hop là! Oh, voilà! On se casse toi! Non! Yes! Oh, j'ai attends, yes. Oh, je m'en sors. Je suis bro, the fuck it. Oh, mais d'ailleurs, angle droit est deuxième, elle n'a pas été déco, what the fuck? Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merci Antoine, la merde. J'ai expulsé ma haine juste avant ça, Mia. Domination du serve. Merci le Bill. Elle a annihilé le serveur, angle droit. Ouais, il suffisait que tu libères un petit peu la dark angle droit. Angle droit. Dark Florence. Dark Florence. Dark Florence. Dark Florence serait complotiste. Et après, j'allais dire qu'elle pouvait insulter, mais maintenant, même la Florence que bah, tu connais. Ouais, même fan la... de Stéphane ouais. Bourgoin. Très, très fan de Stéphane et Bourgoin. Tu serais fan de Stéphane Bourgoin, tout à fait, ouais. Et j'avoue, je suis orange depuis la première course et là, je cours entre les gouttes, quoi. Tu tiens, ouais. C'est propre. Ouais. C'est propre ce que tu nous proposes ici. Cours entre les gouttes, le nouveau son d'Inia. Et je cours entre les gouttes. Tu chantes bien, mec. C'est vraiment très chaud. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf, mais. Après, okay. en vrai, j'ai une voix par contre, vraiment. Mais là, j'ai pas trop donné. Oh, de ça vous dit quoi? Il s'est mis à Twitch Things, il a pris ça très au sérieux. Et mais c'est quoi Twitch Things, ça existe plus? Rive. Non, bah, non, à l'époque. En vrai, j'ai Eddie Mitchell pas dégueulasse, Route de Memphis, c'est ma mère. Ah, non, mais d'accord, il parle tout le temps de ça dès qu'on parle de son. Quand je parle d'OP catastrophique, je parle souvent de Samsung. Mais en vrai, avec Florence et Magla, oui, on avait fait une OP. Sur Twitch Things,
C'est une catastrophe. Ah ouais. Et en fait, le truc, c'est... En fait, moi, j'adorais Twitch Things et tout, j'aimais trop faire ça. Mais pourquoi c'était horrible? Mais en fait, ils avaient mis un nouveau système où on n'a jamais vraiment trop compris comment c'était foutu, où on pouvait plus ou moins chanter en même temps. Mais en fait, c'était mal fait. C'était mal fait. Et du coup, il y avait du décalage. Et du coup, c'était horrible. C'était de l'angoisse. Ah, j'ai un souvenir de cette soirée. Et c'était même pas drôle, quoi, du coup. Bah, en vrai, c'était un peu une pure, malaisant, quoi. Ouais, en fait, le truc qui est gênant, c'est que... Bah en fait, on a fait tout le contraire que le vendre, en fait, du coup, c'était vraiment... Oui, c'était en mode, ça ne fonctionne pas, mais on rigole bien parce que ça ne fonctionne pas. Juste pas votre truc, en fait, voilà, ouais. C'est de la merde, tout simplement. Voilà, c'est de la merde, et du coup, bah, c'était vraiment un peu gênant, quoi. Mais attends, c'était une OP Twitch Things? Ouais. Ouais, une OP Twitch Things, tout à fait. Mais parce que ça fonctionne comment, Twitch Things? C'est pas juste pour les streamers? Je sais pas, j'ai jamais utilisé. Non, je sais plus comment ça marchait, mais ça n'existe plus, de toute façon, maintenant. Ouais. Mais c'est marrant que ce soit vendu, une OP, enfin, ouais, c'est marrant. Well, I don't know, bro. Ouais. Bon. Ah, j'ai des frissons rien que de penser à cette soirée. Ouais, c'était assez gênant. Moi, la soirée Samsung, j'ai des frissons aussi. Hein. Non, parce en vrai, mec, on s'en est bien sortis. Mais oui. En fait, je pense qu'on s'en est vraiment bien sortis. Et aussi, j'étais content qu'on soit à deux, quoi. Ah ouais, mec, pareil. Surtout t'as carré de fou, bien plus que moi, je trouve. Ouais. Bah non, en vrai, c'était... Étoile sur le casque, c'était incroyable. C'était un travail de Batman et Robin, on était à deux, mais... Je trouve ça à ce moment-là horrible. Mais en vrai, c'était vraiment... Oh là là là, dans la douleur, ça reste un moment cool, en vrai. Et le truc, c'est que à partir du moment où on a compris ce que ça allait être, on a su direct, en fait. Oui, c'est ça. Oui. À partir du moment où on s'est dit, bon, vas-y, on est dans la merde, donc vas-y, frère. Est-ce qu'on peut voir mes stats ou pas, du coup? De pense, ouais. Non, non. Oh, c'est dommage. Alors, j'ai pas eu le chat. Ah, c'est Rive. Non, c'est Rive, c'est Rive, c'est Rive. C'est moi, j'ai pas eu le chat. Ok. Il reste qui, du coup, Ultia. Il y a que toi en vert. Terrible. Et nous trois en orange, ouais. Soirée Samsung, c'était une OP en gros pour des écrans Samsung et c'était une compétition multigaming avec plusieurs invités. Il y avait Kenny, Wingo, Gob et moi. Et c'était présenté par Rayou et Antoine, et c'était que sur la chaîne d'Antoine. Et c'était très brandé. Et un ah peu ouais, banque. C'est vraiment... ouais, vraiment. En fait, quand j'ai fait ça, j'ai eu honte. Je me suis dit. Là, je me suis vraiment dit. Eh, je suis un. Là, je me suis vraiment dit. Tu t'es dit quoi? Je suis un vendu, tu vois. Je me suis dit ça. Ah oui. Ah, oui. On n'a pas attendu ça pour te dire que t'étais vendu. Vraiment. Ah oui, c'est alors, vraiment... Et comment t'as fait pour pas le voir venir comme ça? C'était trop peu d'informations qui étaient données, c'est ça? Pas assez d'infos, en vrai. Pas assez d'infos. Ouais. Mais c'est souvent ça. En fait, on m'avait surtout dit les gens avec qui on allait être, et je me suis dit. Tu coupes, hein, tu droppes. Il coupe ton micro. Ça ne peut que bien se passer. Je me suis dit, vu les gens qui étaient là, je me suis dit, ça peut que bien se passer et tout. Et en vrai, c'est fait, et voilà. Tu vois. Mais sauf que, à la fin, j'ai dit aux gens qui organisaient ça, je fais plus jamais terminer, tu vois. Plus jamais de 20%. Plus jamais, tu vois. Mais bon, c'est fait, j'ai pris le chèque. Bah écoute, t'as... Bon, tu sauras la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourras demander pour pas te faire avoir comme... Non mais je fais plus, déjà je veux plus vraiment host ce genre de truc. Ouais, c'est particulier hein, c'est particulier. Moi j'aime bien host les grosses soirées comme ça, mais je comprends que c'est compliqué. Ah moi je déteste ça. Moi j'aime pas ça non plus. Mais après tu vois Antoine, des fois je pense que vous l'avez mal vécu parce que c'était rude, mais en vrai je pense qu'il y avait des gens qui ont regardé, qui ont passé une pure soirée. Ah non mais en vrai, les gens qui ont regardé ça, c'est ça. En vrai. Bah ouais. Mais parce qu'on était marrant et qu'ils voyaient qu'on était en galère quoi, ouais. J'ai dit merci Logitech quoi donc. Ouais. Voilà, rien que pour les gens ils s'adorent. Et moi, t'as dit merci Logitech alors c'était Samsung, ouais. Bien joué. Non mais tu sais, en fait j'étais débordé, c'est que j'ai jamais autant parlé de ma vie. Ouais. Tu sais, je suis pas vraiment quelqu'un qui... Enfin je parle, mais... On s'en va quand même. Non mais je parle, mais dans le sens où je suis pas non plus quelqu'un qui anime, je suis un peu à chier en animation. T'es pas l'outil quoi, tu vois, comme mode. Bref, je suis pas l'outil. Et du coup j'ai dû... En fait ça me demande beaucoup de concentration de parler beaucoup, et vu que j'ai beaucoup parlé, je me sentais un peu mal de parler beaucoup, et bah j'ai complètement... je me souvenais plus de la marque, et à un moment j'ai dit merci Logitech, mais en mode vraiment, parce que dans ma tête j'étais en mode mais c'est quelle marque déjà? Et quand je dis... Mais vraiment, du coup le... Parce que j'étais en breakdown, genre j'arrivais plus. T'as pris une marque au pif et t'étais en mode bien joué. Ah mais vraiment, mais tu sais que c'était vraiment une marque au pif. J'ai que des systèmes de merde alors que je suis 6, je comprends pas. Une catastrophe. Ouais. C'est paquet devant, c'est pour ça. Comme moi quand j'étais à la Paris Games Week, j'étais sur le stand Asus ROG et j'étais en mode j'espère que vous êtes chauds sur ce stand Omen by HP. Oh oui, ah, oui, en plus le nom il est bien long, Omen by HP, genre. Ouais. Mais bon en fait on avait été tellement... Et alors t'as dit quoi avec... après? Bah je l'ai fait qu'une fois, on m'a dit mec je crois que tu t'es un peu trompé là sur le nom. Oh my bad.
Et là, je peux dire, c'était un peu malaise. Mais bon, après, tranquille, je l'ai fait qu'une fois. Après, j'ai corrigé pour le reste de la semaine. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des... Ah si. J'ai oh oui une oh, méga toi, Trachna. C'est laquelle ça, quoi, attends, je réfléchis au fait que je vais perdre. J'ai eu une OP Mega Trapnar avec Amazon Prime. C'est terminé. C'est la fin. C'est la fin. Je suis arrivée sur le plateau. En fait, on m'a signifié du changement. Enfin, pareil, gros problème d'organisation, d'information. On m'a pas du tout donné les bonnes heures. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Et on m'a changé la date, enfin l'heure la veille, enfin c'était catastrophique. Et quand je suis arrivée, il y avait une espèce de mec sur le plateau qui... Ah oui. C'était un film, un nanar de trucs extraterrestres et tout. Et je me suis dit, bah, au pire c'est fun, au pire c'est drôle tellement ouais. que c'est nul quoi. Et en fait sur le plateau, il nous en avait pas du tout parlé. De base je pensais que c'était une watch party, on devait regarder le film Amazon vidéo ouais. quoi. Mmh. Et en fait non, il y avait des activités avant, on en était absolument pas informés. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire des activités. Ah moi, oui, non, ouais. Ah oui, voilà, vraiment, il y oui. avait des activités avant la watch party et moi j'étais en mode mais je ne savais pas. Et du coup j'ai dit mais c'est une blague et bon, bref voilà en plus de ça Amazon les activités c'est jamais bien fait en fait oui tu vois, c'est toujours nul et en plus les ce qui était nul pour eux aussi c'était que en fait c'était Amazon vidéo et du coup en fait j'avais dit à mes viewers ne prenez pas Prime juste pour regarder ça parce que c'était pas sur ma chaîne laissez tomber si vous avez Prime vous venez c'est cool sinon c'est pas grave alors qu'en fait bah il y avait tout le début qu'ils auraient pu suivre bon au final tant mieux qu'ils l'aient pas suivi. Et quand je suis arrivée sur le plateau, il y avait un mec qui c'est était surtout ça le problème, en fait. Spécial. Ouais, c'était ça le problème. En fait, là, je vous ai fait l'intro. Il y a un mec quand je suis arrivée sur le plateau qui était spécialiste en extraterrestre, quoi. En fait, en gros, c'est les gens qui sont l'ufologie. Exactement. Oui, exactement. C'est exactement ça. Oui, exactement. Et du coup, genre à un moment donné, il fait oui, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Bon, pourquoi pas? Tu vas poser la question, quoi. Et genre, moi je dis, ah non, moi vraiment, je me doute bien qu'il y a une forme de vie qui doit exister quelque part, de toute façon c'est immense, on n'en sait rien quoi. Ouais. Mais genre, des martiens qui viennent nous envahir, comme dans le film, non, tu vois. L'effet, mais pourquoi tu n'y crois pas tu ne les as jamais vus, c'est juste pour ça, c'est ça? Moi j'étais en mode, où est-ce que je suis? J'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de voir, c'est disponible. En vrai. Et je ne sais pas, je vais essayer de rechercher, mais ce que je sais, c'est que après, quand j'ai ouvert le Discord avec mon chaîne modération, où j'étais en mode, mais où est-ce que j'étais? Il y avait tous mes modos qui étaient en mode, elle l'a fusillé du regard, elle est au fond du gouffre. Bah, le mec, en plus, le mec, c'est vraiment un nom hein, de ce truc-là, dans le sens où. Ouais, mythologie, c'est, ouais. C'est, oui, vraiment voilà. une c'est vraiment une fake science 10 000, tu vois. Vraiment. C'est une fake science 10 000, et le mec, oui. il est connu pour ça, tu vois. Et j'avoue que moi, je me rappelle, tu m'avais dit, putain, il y a lui en invité quand t'étais arrivé. Tu m'avais envoyé un message pour me dire, oulala, c'est un traquenard. Oui, j'étais au courant aussi, j'étais en mode de feu. Et... Oui, oui, bah oui, parce que j'étais chez toi, Arrive, en plus, quand on m'avait changé l'heure. Oui. Ah, mais j'étais comme une dingue, oui, oui. Ouais, c'est dur, ouais. En vrai, c'est un peu dur. Du coup, j'ai tellement regretté. Et en plus, ils ont mis 6 mois à me payer, JPEP. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Généralement, quand c'est foireux, c'est foireux de A. Ah, ouais, il y a rien qui va. C'était Grimaud? Non, c'était pas Grimaud. Si, oh, Grimaud, c'est le mec qui a fait le documentaire frauduleux sur les. Ouais, ça l'a été. C'est pas toi qui dis ça, il va me faire un procès, tu dis ça. Il va me faire un procès. Il aime mais oui, mais il est en train là en ce moment. Il aime beaucoup faire ça, ce mec là. Non, mais c'est pour ça que je cite pas de nom depuis tout à l'heure. Non, ce serait dommage de. Pauvre Patrick. Pas du tout, c'est pas du tout frauduleux, c'est absolument réel. Il est très avéré. Non. Après, si vous croyez pas, enfin, vous croyez pas, ok, bizarre. En fait, c'est et pas une histoire de croire. Parce que tu ne les as jamais rencontrés, c'est ça? Perso, je ne les ai jamais rencontrés, contrairement à Raël qui les a rencontrés. Bon, Raël, c'est vrai. Ouais, ciao. Bien joué à lui. La tronche en biais a sorti une vidéo aujourd'hui sur le procès, justement. Ah oui? Mais oui, ils sont en plein dedans, là. Ouais. Salut, mon pote. Donc, est-ce que ça existe? Ah, j'ai des rouges. Oui. OMG, le 1v1. Oh non, Rayou. Il va me pulver. Le one. Après, t'as une vie d'avance, Ponce, en vrai. Moi, ouais, je pense c'est que c'est bien pour ça. Oh. OMG, affronte mon regard sur Descendu, vrai, Popo. Je suis chaud, mon regard. Non, on dirait pas qu'il y a. On dirait pas qu'il y a une rediff. Franchement, vous allez vous affronter votre regard sur Metro Turbo, ok? Oh non, par contre, mais putain, mais tu vois des pires maps depuis tout à l'heure. Moi, j'ai Metro Turbo, let's go. Pas la ligne 7. Je prends Piste aux Délices. J'adore la Piste aux Délices. C'est quoi le circuit? Ah, oh, je sais.
Hop là, j'espère que ça va tomber sur le mien. Mais il est même pas drôle, c'est nul. Oh non. Non, moi, le métro turbo là. Est-ce que vous allez aller au Popcorn Festival? Non. Ou ça vous donne. Oui. Ça vous donne pour je sais pas trop encore, je suis bah, surtout que je suis pas invité, il y a plus de place, donc voilà. Mais, sérieux? Mais à 100%, t'es dans la liste et t'as oublié que t'étais dedans. Non, j'ai pas oublié. Je te promets. À 100%. Mais, y a pas mais comment ça? Comment je peux le. Comment il peut oublier? C'était hier. T'as pas regardé TDM, mec, je t'ai invité pourtant. Et, quoi? Mais bon, bref. Non, vraiment? Non, mais en vrai on en parlera, mais en vrai, à 100%, ils ont dû prévoir. Parce qu'ils avaient prévu, mais je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr. À 100%. Je sais qu'ils étaient en galère, ils savaient pas à qui ils avaient envoyé, pas envoyé, ça je sais. Non mais je suis quasiment sûr qu'il y a eu un souci dans les listes parce qu'ils en avaient parlé, qu'ils avaient invité plein de gens qui avaient fait au moins une ou deux participations. Ils l'avaient dit. Donc c'est quasiment sûr que soit ils ont oublié dans la liste ou soit t'étais prévu dedans de base, à 100%. Ok, bah je verrai, mais je sais même pas ce que j'irai. À 100%. Je verrai. Je verrai. Je sais parce qu'il l'a dit en live. Ok, bah ça me dit rien, je vais peut-être tomber dans les spams, mais ça m'étonne. Oh, le spam? Le spam? Pouce, t'es prêt? Vas-y. Ah non, je peux pas. Je me suis écarté. Là, en sortie de virage, oh là. Non, mais c'est pas cool. Moi, oui, je suis invité, mais je sais pas encore si je vais y aller parce que ça dépend du taf que j'ai aussi sur les autres trucs. Mais après, ça pourrait être grave cool d'y aller quand même parce que c'est une bonne expérience. Ça va être trop bien. Faut voir. Ouais, je suis pas très festoche et tout, j'avoue, mais bon, pourquoi pas. Festoche. Oui, non, mais c'est particulier quand même. C'est pas non plus. C'était pas OneFest, hein. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un dans mon chat qui m'a rappelé, effectivement, c'est dans la catégorie de mail invitation sans chèque. Bien sûr, effectivement. Invitation sans chèque. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Venir gratuitement. C'est le nom du livolet. C'est pour ça que je l'ai pas vu, quoi, effectivement. Tu regardes pas trop, effectivement, celle-là. Invitation sans chèque, elle est incroyable, la catégorie. Putain, tu sais ce que j'ai mangé tout à l'heure, Rivenzi? Un gros cul. C'est vrai. Non, une galette bretonne. Ah, ok. Je me suis commandé une petite galette. Thon, œuf. Très très bon. Ah ouais, t'as dû te régaler. J'ai un peu pensé à la Bretagne, j'ai pensé à toi, ça m'a fait plaisir. Ah bah écoute, j'espère que tu t'es régalé, que cette crêpe était bonne. Bah c'est bon, elle est forcément moins bonne que... Je t'ai jamais fait de crêpe. Ah bah non, j'ai jamais fait de crêpe. Bah ouais, bah... Ah yeah, faut que je t'en fasse. Ça c'est longtemps, ça fait un mois que j'en ai pas fait. Ici, en fait. Ouais, moi je fais des crêpes souvent. Ça va, souvent hein, j'ai fait des pâtes l'autre jour. Hein. Wow. Mais pareil. Moi je fais des. Pareil, ouais, pareil. Il faut dire galette, excusez-moi. Mais on s'en fout, on dit ce qu'on veut. Au pont qui passe orange et c'est la finale. OMG, la finale. La finale sur Métro Turbo, messieurs, dames. Juste un truc sur les galettes et blé noir, les deux se disent, ça dépend. Bah non, il a mis 12. On s'en bat les couilles. Oh non, j'ai mis 12. Bah ok, il faut remettre. Une course. Je peux pas mettre un, mais on quittera. J'ai la VOD, tu pourras la regarder. La VOD de fou. Ça doit être vraiment une VOD. Vite fait. Ok, vite fait. Donc là, c'est une course, là. Ouais, c'est la finale. Et on quitte, ouais. C'est la finale. Ok. Et après, bah, ceux qui veulent aller dodo pourront aller dodo. Est-ce moyen de faire une pause pipi, par exemple? Il reste une course. Il reste une course, Florence. Pardon, je croyais que c'était fini. Excusez-moi, pardon. Il n'y a pas de souci, Florence. Je ne suis absolument pas. Non, je ne suis plus parce que je suis... Pause, vas-y, choisis la map. Circuit tonne. OMG désert tous. Donc là, il y a Rayou et moi. Rayou et moi, une vie. C'est tout ce qui se passe en fait. Oh le désert tous, mec. J'ai mis désert tous. Oh non, le désert tous, sans déconner. Allez, le métro turbo. J'ai mis désert tous. Circuit Todd. Oui. Oh non. Ah, descente givrée, le regard. Aïe. Tête dans l'écran. Et bravo Rayou. Bravo Rayou pour la win. Bravo Rayou pour la victoire. Clairement pas. Tête dans l'écran. Bah, tête dans l'écran, t'as perdu tête dans ta l'écran. Positivité ou quoi? Tête dans l'écran. Ok. Chez moi. Ce jeu là, j'ai même pas suivi. Entrez-toi les ponces. De quoi? Ah, j'ai cru qu'il a demandé à quel jeu on jouait quand même. Qu'est-ce que tu faisais là pendant ce temps là? Où j'y suis. Il a pris les 3 pièces, c'est l'osier. C'est ingagnable. Ah, j'avoue, bizarre. Non mais dis pas ça, tout peut se passer. FF. Vas-y. Go focus ponce. Mais quoi? Comment? Comment? On a besoin que Étoile ait confiance en lui, donc on va te défoncer. On va te défoncer du coup. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez besoin qu'il ait confiance en lui? Il est fort. Tout le monde le sait. C'est le meilleur joueur. Ouais. Non, en vrai, non. Tout le monde le sait sauf lui. Cette roche, cette paroi d'aussi près. Très clair. Let's go, les gars.
C'est quoi les couleurs du Yoshi? En gros, c'est vert, t'as jamais fini dernier. Orange, t'as fini dernier une fois. Et si tu finis dernier encore une fois, et ben t'es rouge et t'es éliminé. Éliminé. Tout à fait. Ok, je vais focus JD. Mec, sans juste de focus. Bien joué, mec. Oh non, il y a une blue. Bien joué, hein. Fuck, dude. Très bien joué. Fuck, dude. Hop là, je mets une petite banane au milieu là, oh, super. Ouais, bien joué la banane, mec. Ça chier. Non, non, c'est top. En vrai, je peux décider qui gagne, hein, concrètement. Ouais, vas-y. Une belle personne, Antoine. Le maître du jeu, JD. Aïe, 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 j'ai pris dans mon cul. Il est vraiment très fort. Ah, attends, on va leur en mettre une chacun. Ah, je me suis pris une rouge devant, une rouge derrière. Oh, c'était. J'ai pris. La double peine pour. Ah, une troisième rouge. Ah ouais, non, attends, là. Attends, Pompon. Faut balance là. Oh, Pompon. Putain, comment je peux balance? Oh, la bombe qui rebondit. What the fuck? Ouais, mais si vous me focussez, moi je peux balance. Allez, là, la bombe. Ok. Je peux pas attaquer Ryu du coup. Ok, c'est maintenant. Bien là, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah oui. Allez, go, focus Ponce. Je peux en faire, je peux en faire. Les réflexes de Ryu un peu. Vas-y, je vais focus Rivenzy. Non, arrête. Ils sont pas mal. Je peux en faire. Je peux en faire. Maintenant. Ah putain. Putain. Oui. Je l'ai eu. Mais non. Quoi, je l'ai pas eu? Pas du tout. Oh, c'est bugué. Je peux rien faire. Oui, je peux rien faire. C'est bon, joueur. Oh non, j'ai pris le bon. Oh, c'est bugué. C'est jouable, ça bug. Ça bug. Et qui a gagné du coup? Bah, Rayou. C'est Rayou. GG Rayou. Ah mais Rayou, il est vraiment au-dessus quoi. Oh, ouais. C'est vraiment le meilleur joueur. Ah moi, chez moi, je l'avais eu, c'est dégueulasse. Joueur de l'histoire de Mario Kart, la méditation. La méditation. Avant la course. J'ai médité avec. Bravo Rayou. Bravo. Il a gagné le jeu du Yoshi. Rayou. Le cash prize de 10 000 euros. Let's go, le cash prize. Le CP. Bon, est-ce que vous voulez partir sur un golf gang un peu? De ouf. Vous se terminez en s'insultant tranquille, bien? Allez. En vrai, moi, je sais pas du tout, j'ai jamais joué, hein, donc franchement, je suis vraiment un peu stressé parce que je connais pas du tout. Moi non plus, j'ai jamais joué en vrai. C'est un jeu de fou. C'est très très simple en tout cas, c'est ça qui est bien. Combien de temps une game en gros? J'ai jamais joué malgré tout ce que les gens du lundi dans mon chat pensent. C'est trop bien. En vrai, tu joues tous les lundis, Ultia, je comprends pas. Oui. C'est trop bien. Ok, bah go dessus alors, vas-y, je suis. Hop là. Je reviens. Ouais. Juste ce qui est, moi je trouve que quand même le jeu par contre il est un peu skillé quand même. Golf Game. Oui. Ouais, clairement. Genre c'est. Après t'inquiète Ultia, je suis particulièrement naze. Voilà, si jamais t'as peur un peu parce que tu connais pas et tout ça, je. Dans quel contexte tu y as joué? On y a joué. C'était quand déjà? C'était mardi je crois. On y a joué.